Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Cataclysm. Et honnêtement, on pensait avec Eva pour préparer, bien sûr, je vous inviterai à suivre Evanessor qui m'a beaucoup aidé pour le tournage de cette vidéo. Dans la description, évidemment, il y aura tous les liens. Mais c'est vrai que Cataclysm, on se disait, bon, Cataclysm au final, c'est une grosse extension, certes. Mais War Savage Kings, c'était le très gros morceau qui nous a demandé énormément de temps. Et en fait, on avait sous-estimé un petit peu la tâche ardue qu'est l'extension World of Warcraft Cataclysm. Honnêtement, c'est celle qui nous a demandé beaucoup de temps. Imaginez la taille de cette extension. 46 zones retouchées, 46 zones refaites avec Cataclysm. Donc Cataclysm, World of Warcraft Cataclysm, est sorti le 7 décembre 2010. Ça représente tout simplement un défi complètement fou que Blizzard s'était lancé à l'époque. Une étape véritablement unique et clé dans l'histoire, mais pas de World of Warcraft, dans l'histoire du jeu de World of Warcraft. World of Warcraft maintenant a 15 ans, hein, nous sommes en 2020 lorsque cette vidéo sort, 15 ans de World of Warcraft, et c'est vrai que Cataclysm est un ovni, un véritable ovni dans la bibliographie de World of Warcraft et dans la lignée de toutes les extensions, puisqu'elle représente en fait une espèce de World of Warcraft 2, où elle a essayé de refaire tout le monde, toutes les différentes zones, aucune extension, aucune autre extension n'aura eu cette volonté, cette ambition, et on sent même finalement que ça a peut-être même dépassé un petit peu Blizzard, leur bébé leur a dépassé, puisque c'est un travail que l'on va décrire après qui est colossal. Alors évidemment, on va surtout principalement traiter de l'histoire de Cataclysm, mais on est obligé dans un premier temps aussi de parler un petit peu de gameplay, ce qu'il apporte, la sortie, etc. Cataclysm a beaucoup divisé aussi les joueurs, et c'est, j'ai envie de dire, normal. Il faut pas oublier que Cataclysm, la plupart des gens se rappellent que le pic de joueurs était War of the Lich King. Et bien c'est à la fois vrai et pas vrai, parce qu'en fait ce pic il a continué sur Cataclysm. Donc au final World of Warcraft Cataclysm est l'extension qui a eu le plus d'abonnés de l'histoire de World of Warcraft. Et ça, c'est pas rien. Mais World of Warcraft Cataclysm marque un tournant pour les joueurs, pour l'histoire, pour le gameplay, par rapport à ce qui a été fait précédemment. Certains trouvent que c'est un bon point, d'autres un mauvais point. On reviendra après là-dessus, même si on se concentrera sur le lore. D'un point de vue ouvert, World of Warcraft, enfin, Cataclysm, c'est vraiment l'extension, je dirais, qui est en demi-teinte, qui est à la fois tout et rien. C'est vraiment l'extension de tous les paradoxes. Parce que on a... elle est à la fois géniale et désastreuse, c'est à la fois un chef-d'œuvre et c'est une bouse, c'est tout et rien, c'est hallucinant à quel point c'est tout et rien, et certains le diraient pour le gameplay, mais moi j'en parlerai surtout au niveau du lore, bien entendu. C'est également, pour mon petit terme que j'adore et qui maintenant se propage, c'est également l'extension qui marque la fin d'un événement tragique pour l'histoire de World of Warcraft. C'est la fin du Safari avec Cataclysm. On y reviendra bien sûr plus en détail après. Ça, vous entendrez très souvent cette phrase, parce que Cataclysm, vraiment, il faut que vous compreniez à quel point c'est gigantesque. Et vous en avez la preuve ici. Cataclysm marque la fin d'une ère, hein, comme je l'ai dit, le Safari, mais c'est également le bouleversement et le renouveau. On y reviendra dans la conclusion. Mais comme vous le voyez, c'est juste un truc de dingue. Ce que vous voyez tout simplement à gauche en termes d'écriture et d'histoire, c'est honnêtement, ça a été la mousson. On en a pris plein la bouche, puisque eh bien, c'est tout ça, c'est le lore pré-cataclysme. Vous avez, je vais vous lister tout ça, vous avez 4 romans. Hurlorage, l'effondrement, donc l'effondrement qui est prélude au cataclysme, Thrall, le crépuscule des aspects, et Cœur de loup. Ça, c'est 4 romans. Donc ça fait à peu près cette taille-là, hein, tout simplement. En plus de ça, vous avez La Nuit du Dragon. Alors là, vous allez me dire, Malga, La Nuit du Dragon, c'était un livre pré-Hotelka. Et là, vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas affiché pour War of the Lich King, tout simplement parce que, en fait, ça ne traite d'aucun sujet quasiment de War of the Lich King. On parle un petit peu de Maligos, mais même dans La Nuit du Dragon, Maligos est plutôt sympathique. Il est, certes, il se méfie un petit peu des magiciens mortels, mais en soi, il va même aider. Sans Maligos, on aurait perdu à La Nuit du Dragon. Au final, La Nuit du Dragon, c'est 18% de l'intrigue. Ça concerne Cataclysm, et on y reviendra d'ailleurs après dans la vidéo. Donc c'est un bouquin pré-Hotelka, mais qui concerne quasiment que Cataclysm, et qui est, je dirais, le terreau de ce qui a été pensé pour Cataclysm. Nous avons ensuite deux comics que vous voyez tout à droite, avec un Worgen et en dessous une espèce de magicien orc, avec Valyra, etc. C'est tout simplement les comics, donc les différents volumes de bande dessinée concernant World of Warcraft. 5 volumes pour les Worgen, donc les hommes-loups,
Et également donc à peu près 2 ou 3 volumes pour qui est la suite en fait du comic sur Varian. On en reparlera aussi puisqu'il y a Shogal qui va avoir un rôle très important dans ces comics. Ça, ça représente quand même quelques volumes hein, de bande dessinée en plus. On a également 11 nouvelles que vous pouvez trouver gratuitement sur le site internet de Blizzard. Je mettrai aussi les liens dans la description. Et que vous pouvez trouver au format papier payant qui s'appelle World of Warcraft Légende. Juste pour l'épaisseur, hein. Ça c'est ma main. Regardez, ça c'est ma main. C'est assez vénère. En l'occurrence, donc vous avez 11 nouvelles. Je ne sais plus si dans les 11 nouvelles, il y en a une, celle qui est inédite sur leur thémar. Mais en gros, vous avez 11 nouvelles qui préparent du Cataclysme. Certaines traitent un petit peu aussi un peu plus de War of the Lich King. Ou en tout cas, fin de War of the Lich King. Mais c'est 11 nouvelles qui préparent justement Cataclysme. Le travail a été colossal pour les auteurs. Et pour les développeurs, on va dire qu'ils sont plus dans le design, c'est pareil. On va y revenir juste après, mais c'est pareil. Jamais aucune autre extension n'aura fait un tel travail préparatoire pour justement une extension. C'est même Vanilla hein, n'a jamais, World of Warcraft de base n'a jamais eu autant de support historique. Et le problème, bien sûr, c'est que pour comprendre l'extension qui est Cataclysme, et c'est aussi pour ça que c'est très fouillis, Cataclysme, c'est un bordel sans nom. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire de rendre la chose la plus cohérente et la plus linéaire possible sans se perdre dans le fouillis, parce que c'est vraiment énorme tout ce que cela représente. Et du coup, eh bien, aucune autre extension n'aura eu ce même rapport, mais surtout, en fait, on critique souvent le fait que l'univers étendu, parfois, il est obligatoire pour comprendre l'arc principal et les intrigues principales du jeu. Cataclysme, moi par exemple, je trouve qu'à BFA, c'est dommage par exemple que les livres et les nouvelles soient quasi obligatoires pour comprendre l'intrigue principale, mais c'était avant de connaître Cataclysme, hein, parce que Cataclysme, c'est n'importe quoi. Tous les enjeux, si vous lancez votre perso, par exemple, vous créez un tauren, on vous parle de trucs, vous êtes en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous jouez nain, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, tout ça, c'est dans Prélude au Cataclysme, Cœur de Loup, Hurlorage, enfin c'est, ça n'a absolument rien à voir, donc c'est vrai que vous êtes un peu perdu au final quand tu relances les zones de départ. Et justement, parlons un petit peu du design aussi au niveau, parlons un peu gameplay, on va parler rapidement gameplay, mais il y avait le pré-patch du coup de Cataclysme qui était la furie des éléments en gros, donc des élémentaires qui attaquent aux quatre coins du monde, notamment les capitales, élémentaires de terre, élémentaires de vent, etc., élémentaires d'air, etc., etc. D'ailleurs, Kata, comme je l'ai dit, a demandé beaucoup de ressources, des ressources hallucinantes. Je le redis et je vais le répéter après. 46 zones. 46 zones refaites. Alors parfois extrêmement refaites, parfois quelques petites touches, mais c'est 46 zones de refaites. C'est hallucinant. Beaucoup de choses vont être forcément recyclées. Il y a tellement de zones, tellement d'ambition, tellement d'ampleur. Le projet est tellement incroyable qu'au final, forcément, il va y avoir, on va dire, des zones qui vont avoir un énorme traitement, d'autres qui vont être un peu délaissées, où au final, on mettra un petit coup de pinceau et basta. Donc c'est vrai qu'il va y avoir aussi, c'est un peu l'extension du recyclage Cataclysme. On va récupérer beaucoup de choses, notamment dans le Safari, hein, dans le traitement des personnages iconiques de la licence Warcraft, mais également, en fait, dans les outils, je dirais, visuels, puisque, par exemple, eh bien, à Vanilla, on parlait de Terradras, etc., et de certains élémentaires. Évidemment, ils vont être réutilisés lors de la furie des élémentaires. Donc, il va y avoir en fait, quand je vous parlais de la cartouche, les cartouches, vous savez, du Safari avec le gros fusil où on tire sur tous les personnages principaux, à Burning Crusade est passé, Wotelka est passé. Donc, toutes les figures emblématiques de Warcraft 3, bababam, hein, on les a toutes accrochées au mur et il n'y a plus rien. Donc, en plus du design, eh bien, il faut essayer de trouver sur quoi on pourrait bâtir une extension. Et c'est là qu'en fait, Blizzard va faire un truc assez intéressant. Intéressant, là vraiment je suis objectif parce que je trouve ça dégueulasse, mais ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement, il nous reste quoi? Du Warcraft 2, et il nous reste quoi? Eh bien l'univers étendu de Warcraft, ainsi que World of Warcraft Vanilla. Et du coup, eh bien on fait d'une pierre deux coups, on récupère certains assets, notamment du Ragnaros, des boss, qui n'étaient pas emblématiques, au contraire à Vanilla c'était presque une critique en disant, bah, c'est qui Ragnaros, on s'en fout un peu, nous on veut du Warcraft 3. Maintenant ils sont devenus légendaires, on va dire, puisque on est en 2010, ça fait plus de 4 ans que World of Warcraft est sorti, les gens ont tapé Ragnaros et maintenant Ragnaros a atteint un certain statut, du coup on va les réutiliser pour leur taper dessus. Et ce qui fait qu'on va vraiment vider les dernières cartouches de personnages légendaires et iconiques de la licence Warcraft. Et c'est là aussi que le tournant, qu'il va y avoir la véritable prise de conscience de Blizzard en se disant on peut plus fonctionner comme ça. Après Cataclysme, ça voudrait dire que c'est la dernière extension et il n'y a plus rien après. Donc il va falloir construire des choses, il va falloir bâtir des choses. Et c'est aussi pour ça que c'est l'extension du tout et rien, et d'une chose et son contraire. D'un côté, on vide toutes les cartouches pour détruire, on détruit tout ce qui reste,
on vous fait taper tout ce qui reste, et de l'autre côté, on va justement créer et bâtir de nouvelles intrigues, il faut penser pour la suite. Et ça, c'est assez intéressant, puisque on a donc l'objectif de Cataclysme, comme je l'ai évoqué, qui est très ambitieux. À la base, c'est quoi? Pourquoi on a refait toutes les zones? C'était tout simplement puisque Burning Crusade avait apporté le vol en Outre-Terre, Wars of the Lich King a apporté le vol en Northrend, en Orphandre. Eh bien, le problème, c'est que les montures volantes ne servaient à rien sur le reste des zones. Donc Blizzard a fait d'une pierre 17 coups, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont pu rendre... Ils ont voulu justement faire en sorte que les montures volantes soient disponibles partout, et pas seulement dans certaines zones segmentées. Donc, on veut mettre le vol, sauf que mettre le vol, ça me permettrait d'aller voir des zones qui n'avaient jamais été pensées et conçues pour du vol. Donc d'un point de vue aérien, c'était dégueulasse, et ça rendait... c'était immonde. Donc, Blizzard va retravailler en fond toute la carte, toutes les zones, afin que justement, eh bien, même si vous êtes en monture volante, vous puissiez trouver des petits easter eggs, des petits coins sympathiques, des petites cavernes dans des montagnes où il n'y a pas forcément de quête, mais qui justement renforcent le sentiment d'immersion. Et ça permet du coup aussi de refondre un petit peu le pexing, donc la prise d'expérience quand vous commencez un nouveau personnage, monter un petit peu en expérience, virer des anciennes quêtes très vieillottes. Vous avez peut-être joué à WoW Classic avec le « Oui, allez en Désolas récupérer ce petit sac. Oh, vous avez récupéré le sac en Désolas, merci à vous. » Eh bien, je connais quelqu'un, je suis moi-même un elfe de la nuit, je connais un orc qui vit dans les marais des chagrins. Eh bien, il connaît en détail ce qui se passe sur les sacs. Vous allez au marin des chagrins, et le marais des chagrins, l'orc au marais des chagrins vous dit « Je connais un nain. » Alors, on ne sait pas comment l'elfe de la nuit connaît un orc qui connaît un nain. Et il est à l'autre bout du monde, allez le chercher. Bah ça, on dégage à Cataclysme, on va rendre le truc beaucoup plus, alors certains diraient casu, mais c'est d'un point de vue technique, une demande des joueurs. Faut pas oublier que c'est une demande des joueurs à la base, on en avait ras le cul aussi, de bouger dans tous les sens pour n'importe quoi. Donc c'est l'occasion de rendre ça plus facile, bien sûr, mais facile d'un point de vue ergonomie aussi, plus ergonomique, tout simplement. Alors... Comme on l'a dit, le monde se déchaîne, hein, c'est Cataclysme, hein, le nom n'est pas choisi par hasard, c'est la fin des temps potentiellement. Et en plus d'apporter une évolution visuelle d'un point de vue gameplay, on va également bien sûr apporter, en fait on veut que l'histoire se reflète dans les zones. Et ça, ça va être aussi très important, notamment sur les débuts des différentes races. C'est l'occasion de mettre à jour un petit peu ce qui est dit par le narrateur sur les races, mais également de voir visuellement ces changements. Donc, bouleversements climatiques qui vont arriver un petit peu partout, des tsunamis, des séismes, des tempêtes, des éruptions pour représenter la fureur des éléments. Il y a également, bien sûr, avec Cataclysme, l'arrivée de nouvelles zones, comme pour n'importe quelle extension. La carte donc, va changer, apporter, donc va visuellement changer aussi, hein, par exemple les 1000 pointes qui sont sous l'eau, etc. Ça, on y reviendra après. Et donc, dans ces nouvelles zones, eh bien, on va enfin découvrir... D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans le côté recyclage et reprise de Vanilla, c'est des zones, certaines de ces zones étaient accessibles des Vanilla par des glitches ou par tout simplement, eh bien, on savait qu'il y avait quelque chose derrière, mais on ne pouvait pas forcément l'atteindre. Et c'est par exemple Kilneas, on avait le mur, mais on ne pouvait pas aller derrière. Eh bien, Kilneas arrive à Cataclysme. Le Mont Ijal, vous aviez le glitch qui vous permettait de rentrer et vous voyez cette grande étendue avec l'arbre monde et il y a même le squelette d'Archimonde à l'époque. Donc, c'est l'occasion justement de travailler ces zones-là. On avait un mur aussi à Vanilla pour vers Ul'dum. Ul'dum, c'est l'occasion de découvrir la zone. Donc, ça va être une grande reprise à ce niveau-là, et d'ailleurs, alors on traitera sur tout ça après, mais c'était dans le gameplay vous montrer les nouvelles zones disponibles de haut niveau. D'ailleurs, une des grosses critiques, et ce sera le dernier point, je parle de niveau gameplay, hein, on va parler juste race et classe ensuite, mais dans le gameplay, dans la critique de gameplay, ce qui peut être fait, beaucoup de joueurs avaient pas forcément, haut niveau, n'avaient pas forcément apprécié Cataclysme, parce qu'il y avait un manque de contenu en haut niveau. Mais bien sûr, il faut comprendre que les développeurs qui bossent sur toutes les refontes de zones, bah, ils peuvent pas bosser sur de nouvelles zones. Donc c'est vrai que les nouvelles zones et même les raids, les patchs, etc., ça sent le recyclage. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs au niveau n'ont pas forcément aussi apprécié Cataclysme. Comme je l'ai dit, Cataclysme va apporter aussi également deux nouvelles races. C'est d'ailleurs les deux c'est la première fois aussi que Blizzard amène deux nouvelles races d'un coup. Des fois c'était une race par exemple ABC et autres. Là c'est vraiment deux nouvelles races avec leurs propres squelettes, leurs propres animations et autres. Très ambitieux encore, hein. Vraiment Cataclysme c'est l'extension du ambition toujours plus, c'est le nec plus ultra, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Deux races, les gobelins qui étaient attendus depuis Vanilla, et même c'était une surprise de voir les gobelins aussi présents côté Horde, mais qui n'étaient pas de la Horde, puisqu'ils étaient neutres, ça c'était la nouveauté, alors que les gobelins historiquement, bah, ils étaient toujours côté Horde, hein. Alors vous allez me dire, oui à Warcraft 3 il y avait les vendeurs, etc., le marchand gobelin, oui, mais vous aviez des sapeurs gobelins, Orgrimmar vous aviez des gobelins, etc., donc les gobelins, historiquement, c'est vrai que c'était Horde.
Donc au final, eh bien, justement, les gobelins sont enfin, et c'est une demande des joueurs aussi, bien sûr, enfin rejoignent le roster de la Horde, enfin enfin pouvoir faire nos petits hommes verts, enfin nos petits humanoïdes verts. Et surtout, là on voit aussi encore une fois le retour de Warcraft 2. Les gobelins c'était la nouvelle race de Warcraft 2 jouable dans la Horde avec les ogres et les trolls. C'était le dernier du roster qui manquait. J'ai rien dit, il manque les ogres aussi toujours, mais on les attend encore les ogres hein, bien sûr. Et nous avons de l'autre côté les Guilnéens. Guilnéas qui était un arc qui avait été ouvert à Warcraft 2 avec le roi Gristet, Greymane. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que à Cataclysme, eh bien, on va lier l'intrigue, on va dire, qui était au-dessus du mur de Greymane, le mur de Gristet, qui était le mur du Guilnéas, avec les loups-garous qui étaient présents, eh bien, on va en faire une nouvelle race qui est beaucoup plus hostile. On va dire, il manquait peut-être une race fun, on avait les gnomes côté Alliance, on a une race un peu plus fun côté Horde et l'opposition qui existe depuis Warcraft 2, gobelin versus gnome. Eh bien, côté Alliance, le côté monstrueux qui avait été un pari dans ma vidéo de BC, j'en ai parlé avec les Draenei, finalement, les Draenei, on n'a pas vraiment gardé le côté monstrueux, donc c'était la race, on va dire, brutale, féroce du côté de l'Alliance, les Worgen. Et au final, les Worgen, c'est la fusion de l'histoire de Guilnéas de Warcraft 2 avec le Vanilla qui a été récupéré dans le passage avec tout ce qui est loup-garou, et on va créer une émulsion, on va dire, de toute cette histoire, ainsi que l'histoire de Guilnéas, même si elle est courte, de Warcraft 3. On va lier tout ça, et je vous laisse bien sûr aller voir ma vidéo sur Guilnéas et les Worgen, parce que c'est probablement l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire de Warcraft, d'avoir réussi à lier, ils sont capables de le faire, hein, Blizzard, lier du très vieux Warcraft 2, du plus récent Warcraft 3, qui était fantasmé un petit peu par les joueurs de l'époque, et également du Vanilla, incorporer du Vanilla et du World of Warcraft à tout ça, pour amener du vieux dans du neuf. Et ça, franchement, c'est pour moi un référentiel pour Blizzard parce qu'ils sont capables de le faire et ils l'ont très très bien fait avec les Worgen. Vidéo sur Greymane et les Worgen, et Guilnéas d'ailleurs. On a maintenant les nouvelles classes disponibles. Alors on va lister tout ça, mais on a affiché surtout celles qui ont un apport au niveau du lore. Pour commencer, les mages elfes de la nuit. Alors c'est vrai que moi-même, par exemple, j'ai appris ça assez récemment. Parce que pour moi, mage elfe de la nuit, c'était totalement incohérent. Hein. Forcément, les bien-nés avaient été dégagés de la civilisation elfe de la nuit par tyran des Malfurions. Et je me suis... j'ai même d'ailleurs découvert ça, j'avais dit une connerie dans la vidéo d'intro de BF1 en disant « Mais des mages elfes de la nuit, ça n'a aucun sens. » Puisque j'avais loupé cet arc à Cataclysme. J'avais arrêté à Cataclysme. Enfin, j'avais arrêté avant Cataclysme d'ailleurs. Mais du coup, Cataclysme, j'avais pas suivi ça. Nouvelle classe disponible, les mages elfes de la nuit. Et pour beaucoup, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'éléments, comme ce fut le cas pour moi. On se dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? What the fuck ? Qu'est-ce que the fuck ? Pourquoi les elfes de la nuit peuvent jouer mage ?» Eh bien, c'était excellent et c'était un arc de Vanilla pour les elfes de la nuit. Je traiterai ça plus en détail dans une vidéo consacrée au Shendralar parce que c'est un arc extrêmement, et je ne mâche pas mes mots, extrêmement intéressant de l'histoire de World of Warcraft. Et d'ailleurs, on en reparlera par rapport au Sacre Nuit et sur Amar, tout ça, tout ça. Ensuite, nous avons à la droite de la petite elfette, nous avons les Tauren. Alors ça, ça a été énormément critiqué, du coup je compte faire une vidéo dessus de débunkage, elle sera assez courte pour le coup celle-ci, mais c'est tout simplement l'arrivée des paladins et des prêtres Tauren. Et à l'époque, paladin Tauren, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Évidemment, c'était le moment où on avait du coup des chamans ABC, on avait commencé à mettre des chamans côté Alliance et des paladins côté Horde, et bien à Kata, on va renforcer ça en mettant du coup, eh bien, des paladins Tauren pour avoir une deuxième race paladin du côté de la Horde. Et au final, c'est souvent moqué parce que à Cataclysme, malheureusement, bah, les armures de paladin, c'est Jean-Michel Alienware qui a son marteau de lumière, son épée de lumière, ses épaulettes de lumière. C'est vrai que pour un Tauren, ça passe pas. Mais d'un point de vue scénario, d'un point de vue lore, c'est extrêmement intéressant puisqu'en fait, ce sont les combattants, les marche-soleil, qui sont un ordre guerrier qui prie une divinité Tauren, le soleil, à savoir Anche. Et nous avons du coup bah, les prêtres d'Anche qui sont les prêtres Tauren. Alors pour le coup, prêtres Tauren, ça n'a pas autant choqué, c'est surtout les paladins Tauren qui a posé un problème. Mais je ferai une vidéo spéciale dessus parce que c'est super intéressant les paladins Tauren. Et ils se font chier dessus gratuitement et je trouve que c'est un excellent apport d'ailleurs pour l'histoire Tauren qui n'a pas eu beaucoup de nouveautés, je dirais. Ensuite, alors ça s'est passé par contre comme une lettre à la poste. Et c'est logique, j'avais même oublié que c'était Cataclysme qui avait amené les démonistes trolls, pour moi c'était Vanilla, et bah, comme quoi parfois la mémoire nous joue des tours. Cataclysme amène les druides et surtout les démonistes et surtout les druides aux trolls, donc maintenant pour faire druide on n'est pas obligé d'être Tauren côté Horde, on peut être troll, et les trolls ont toujours eu un aspect justement de divinité, donc les divinités obscures, etc., qui étaient plus liées aux prêtres, ombre, vidéo sur les classes, tout ça, et vide n'est pas égal à ombre aussi.
les féticheurs, on va dire trolls, c'était prêtre ombre. Eh bien, ils ouvrent ça, le prêtre ombre va avoir son identité de classe, vidéo sur le vide et la lumière et le vide et l'ombre. Donc, eh bien, tout ce qui est féticheur et autres, on y reviendra après avec l'apport de Zalazan, eh bien, les démonistes trolls arrivent. Et le côté druide, bah, c'est tout simplement les différents Loa hein, que vous aviez affrontés à Vanilla, BC et autres. Les trolls Darkspear, les trolls sombre lance jouables, ils sont également pas mal de Loa, donc en quoi c'est choquant d'avoir des druides? Absolument pas, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Nous avons ensuite les nains, et les nains, il y a trois classes qui arrivent chez les nains, donc c'est quand même gros apport, avec notamment les mages et les démonistes. Alors les mages et démonistes côté nains, on se dit pourquoi? Eh bien c'est l'apport de deux races alliées, entre guillemets, même si c'est un terme anachronique par rapport à l'époque, mais ce sera les futures races alliées, donc des clans, des tribus, des gros clans nains qui rejoignent le clan Bronzebeard, donc Barbe de Bronze, j'y reviendrai après. Nous avons les Dark Iron, donc les Sombres Fers, et à droite les Wildhammer, donc les Marteaux Hardis. Chez les Dark Iron, eh bien, nous sommes des spécialistes de la magie noire, notamment, hein, et du coup, eh bien, les démonistes et les mages vont être... en gros, c'est les Dark Iron qui apprennent aux autres nains à utiliser les arts occultes, la magie noire, mais également la magie tout court, puisque bah, la magie noire, généralement, tu dois... tu apprends la magie, donc aussi la magie, on va dire, plus blanche, la magie normale. Magie des éléments, tout ça normal. Et du côté, par contre, eh bien, des Wildhammer, leurs rapports, hein, qui sont très proches de la nature, qui montent des griffons, etc., eh bien, ceux-ci vont apprendre le chamanisme, du coup, aux Bronzebeard, aux nains d'Ironforge, aux nains de Forgefer. Donc, c'est l'apport de ces races alliées qui justifie l'arrivée de nouvelles classes. Alors, on n'a pas listé, parce que d'un point de vue de lore, c'est quasi inexistant, mais il y a de nouvelles classes également, de nouvelles classes pour certaines races, notamment le chasseur humain et mort-vivant. Alors il n'y a pas d'explication pour les humains parce que bah, en même temps c'est normal en fait. Et pour ce qui est des morts-vivants, c'est l'apport, l'arrivée de Nathanos, blablabla, qui crée les nécro-trackers, etc. Mais c'est pareil, des chasseurs morts-vivants, bon, est-ce que c'est si choquant quand tu es dirigé par une forestière sombre? Non, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans l'or, ça passe, pas de problème. Mage orc, ça par contre, il y a une justification, mais elle est un peu... Ça c'est vrai que c'est un peu what the fuck hein, pour le coup. On a le gnome prêtre, mais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire? Non, je rigole. Amour au prêtre, amour au gnome, pardon. Et ensuite, eh bien, il y a les guerriers elfes de sang. Alors ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup fait polémiquer. Pourquoi les elfes de sang n'avaient pas de guerriers? L'idée c'était que c'était une race qui utilisait énormément la magie. Donc pas de guerriers pour essayer de faire en sorte que si vous voulez jouer guerrier, vous jouez pas elfes de sang. Ça saute à cataclysme. Alors certains, je sais que j'ai vu des extrémistes elfes de sang qui disaient « Oui, c'est n'importe quoi, de toute façon Cataclysme a tué les elfes de sang, blablabla, blablabla. » Je rappellerai juste que Warcraft 3, il y avait des guerriers elfes de sang. Donc, qu'il y ait des guerriers elfes de sang, c'est juste normal en fait, c'est juste logique. Donc pas de problème à ce niveau-là, même si la volonté de Burning Crusade est pas mal, de dire que c'est une race magique, donc on met que des races qui avaient de la mana en fait. Ou du mana, comme vous préférez. Donc c'était compréhensible. On va pouvoir attaquer maintenant vraiment les races, comme on avait fait à Vanilla, on va dire le traitement et l'évolution des races, puisque Cataclysme, quelque chose qui est très important avec Cataclysme, c'est que Burning Crusade a amené des nouvelles zones, des nouvelles races, on s'intéressait aux Draenei, aux Elfes de Sang, Warsawish King, on s'intéressait aux Northrend, hein, Northrend, mais au final, bah, l'évolution des races, quand vous retourniez à Azeroth, bah, ça n'avait pas bougé, ça n'avait pas avancé. Donc forcément, toutes les races vont avoir une explosion de lore pour l'avancée de ces races et l'évolution de leurs intrigues. Donc on va énormément recycler, mais également, parfois c'est du recyclage dans le sens vraiment c'est repris et basta, parfois on va vraiment justement évoluer, ce sera la suite de Vanilla, pour justement l'histoire des différentes races. Le problème, je dirais, c'est que parfois ça sous-entend aussi qu'en fait, dans le recyclage, qu'en fait entre Vanilla et Cataclysme, il s'est limite rien passé en fait. C'est un petit peu le problème que ça amène. Mais eh bien, on va commencer par les ailes de la nuit. Pourquoi on commence par les ailes de la nuit? Tout simplement parce qu'on est déjà sur du pré-cataclysme. On est toujours sur du pré-cataclysme avec la guerre du cauchemar. Et la guerre du cauchemar, beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment des joueurs druides, qui sont en mode « Ah, ce serait cool un jour d'avoir une extension sur le rêve d'Emeraude ». Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais Blizzard a souvent communiqué sur ce sujet en disant « Le problème d'une extension sur le rêve d'Emeraude, c'est que tout serait vert ». Et ça pourrait poser problème. Peut-être qu'à l'avenir, maintenant, Blizzard a trouvé des trucs, notamment avec Légion, avec BFA et autres, pour essayer de d'édulcorer ça, et notamment Shadowlands. Donc, peut-être que ça arrivera un jour, mais du coup, ce projet d'extension sur le rêve d'Emeraude avait été travaillé par Blizzard, et finalement avait été abandonné. Eh bien, ça va donner un livre préparatoire tout simplement de Cataclysme, qui s'appelle Hurlorage. Ah Hurlorage qui est centré simplement sur Malfurion.
puisque Malfion, je le rappelle, à Vanilla, il faisait dodo. On savait pas trop pourquoi, mais il faisait dodo. Il y avait quelques idées, quelques pistes, mais on savait pas trop pourquoi. Ce roman va répondre à ça, il va faire avancer l'histoire des Elfes de la Nuit. Alors le roman est pas terrible, hein, qu'on soit clair, le roman est pas terrible. Et la plupart des choses de ce roman formeront la zone préférée des joueurs de Légion, à savoir Valshara. Et oui, l'intrigue de ce bouquin va être prise pour faire Valshara plus tard à Légion. Donc pour vous dire, voilà, le bouquin va être génial. Et génial. Après, je sais peut-être qu'il y en a qui l'adorent, mais d'un point de vue objectif, c'est quand même, faut pas oublier, un livre qui aurait pu couvrir une extension en elle-même. Il y a un conflit mondial contre le cauchemar d'Emeraude, on a une invasion totale du monde, et même dans les autres bouquins, on te parle de la guerre. De la guerre du cauchemar, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme, et ça se passe entre Wotelka et Cataclysme. Donc en fait, c'est une extension invisible qui s'est passée entre Wotelka, qui suit vraiment l'arc, le côté menace globale, il faut envoyer des aventuriers aller s'en occuper, cette fois c'est Malfurion qui va avoir un rôle important, mais il y a cette idée-là. Donc c'est assez incroyable, et la plupart des gens n'en ont pas connaissance, moi-même, c'est vrai que je savais qu'il s'était passé un truc, mais j'avais sous-estimé l'ampleur on va dire de l'intrigue. L'ampleur, je dirais juste géographique, parce que sinon l'intrigue casse pas trois pattes à un canard. Hein. À côté de ça, ce qui est intéressant malgré tout, donc comme je l'ai dit, ça servira pour Valshara, et surtout, eh bien, Malfurion sort de sa torpeur et on découvre la trahison d'un des chefs elfes de la nuit qui remplaçait Malfurion un peu poste pour poste, à savoir Fandral. Fandral forte ramure. Donc Fandral, tout simplement, on révèle sa trahison, et Tyrande va également, dans un second temps, accueillir, alors ça c'est pas pour le coup, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même roman, mais c'est Cœur de Loup, Tyrande accueillera les bien-nés de Shendralar, les Shendralar tout simplement, donc c'est tout simplement les elfes de la nuit présents à Ashtrip, dans le donjon d'Ashtrip, dans les différents donjons d'Ashtrip, et bien elle les accueillera, on en reparlera dans la vidéo sur les Shendralar, qui sera tout simplement en plus. À côté de ça, nous allons attaquer aussi quelque chose qui est entre Cataclysme et entre Wotelka pardon et Cataclysme, hein, Wrath of the Lich King et Cataclysme, c'est les trolls. Les trolls qui vont avoir enfin un petit rôle à jouer, même si malheureusement il n'y a pas trop de figures trolls qui vont être construites lors de ces événements. Mais enfin, la reconquête des îles de l'écho, le foyer, le nouveau foyer des trolls à partir de Warcraft 3, qui sont pas de bol, les trolls d'Arkspear, hein, les trolls sombre lance, ils se font chasser à chaque fois de leur terre. Première fois. Par les Gurubashi, ensuite par les Naga et les Murlocs, ensuite eh bien, ils se font dégager par leurs propres confrères, donc c'est un problème. Et du coup, eh bien, enfin à Cataclysme, ils reviennent sur les îles de Leco, ils chassent dans l'événement pré-Cataclysme, eh bien, c'était tout simplement la reprise des îles de Leco par les trolls face à Zalazan, le frère, je dirais, juré de Vol'jin et sa némésis qui avait trahi Vol'jin, et finalement eh bien, on détruit Zalazan, Vol'jin. Enfin d'ailleurs je sais pas si c'est vraiment canoniquement dit que c'est Vol'jin qui tue Zalazan, mais en tout cas Zalazan meurt sous l'assaut de Vol'jin, et voilà, celui qui avait trahi aussi son peuple. On verra beaucoup ça à Cataclysme en fait, hein, une des figures emblématiques des trolls qui trahit, sauf que ça c'était déjà dit à Vanilla pour le coup pour les trolls, mais il y a souvent ça, on a Fandral, on verra après, il y a Moira, etc. Il y a plein de figures, Magatha, enfin plein de figures emblématiques qui trahissent leur propre race. Alors, je suis pas en train de dire que du coup ils copient-collent à chaque fois. Prendre l'arc du scénario pour en faire des choses intéressantes, c'est cool. Si c'est tout vraiment copier-coller sur la manière de construire, c'est un peu dommage. Mais pour le coup, bah, c'était assez intéressant. On récupère les îles de l'écho, et du coup, quand on commence un troll à Cataclysme, on commence sur les îles de l'écho, sur l'archipel des îles de l'écho. Et surtout qu'on a réussi à augmenter un peu la taille des îles, et ça c'est bien. C'est censé être un archipel, censé être grand quand même. Mais bon, ça aurait pu faire une extension, hein. Ça aurait pu faire un morceau d'extension comme Zandalar et Kul'Tiras, mais ça, malheureusement ça sera oublié. Et nouvelle attaque des Nagas sur les îles de l'écho, c'est le postulat quand vous créez un troll à Cataclysme. Et Vol'jin va enfin avoir un modèle dédié, et ça c'est cool aussi. D'ailleurs son modèle dédié je crois arrive à Mop, mais bon on s'en fiche, c'est pas grave, c'est du détail. On a ensuite les nains, il va y avoir énormément de choses sur les nains, il y a les romans, il y a les nouvelles, il y a énormément de choses qui arrivent pour les nains, c'est très intéressant. Alors malheureusement après Cataclysme il y aura moins de choses qui arriveront pour les nains, mais ils se sont gavés à Cataclysme les nains, puisque la région de Kazmodan, je vous ai parlé de la furie des éléments, les changements météorologiques, et ben, les nains vont en prendre plein la tronche. Le continent des nains à la base c'est Kazmodan, le sous-continent des nains, Kazmodan, et au final Kazmodan ne sera pas épargné par les bouleversements climatiques, notamment énormément de séismes, d'avalanches et autres qui vont faire mal à la population naine, à tel point que le roi des nains Bronzebeard,
le nain des barbes de bronze, hein, Magni Bronzebeard, va tout simplement, le roi sous la montagne, eh bien, va à essayer d'enquêter sur justement ces phénomènes climatiques et météorologiques. Et donc un des organismes des nains dans le hall des explorateurs d'Ironforge, donc le Forge Fer, la capitale, eh bien, ils vont récupérer des statuettes, etc. Et finalement, donc le frère de Magni, hein, qui est Bran Bronzebeard, va retrouver des fragments, des tablettes, notamment à Uldaman, si je dis pas de bêtises, pour récupérer justement des informations. Magni va alors entamer un rituel de son peuple, un rituel ancestral de son peuple, qui est de se lier à la Terre pour essayer de comprendre ce que la planète, ce que la Terre réclame. Au final, dans ce rituel, eh bien, ça le changera à jamais, il sera pétrifié en une espèce de statue de diamant. Tout le monde le croit mort à ce moment-là, il est pétrifié, il ne bouge plus après avoir lu les différentes runes. Et donc, eh bien, c'est vrai qu'il va y avoir un énorme trouble chez les nains. Je vous laisse aller voir la vidéo sur la généalogie des nains, ça parle de pas mal de choses. Et eh bien, c'est vrai qu'on revient un petit peu à cette époque-là, puisque sans Magni qui, on va dire, était assis sur le trône de la montagne, eh bien, cette instabilité politique va poser des problèmes. Alors, l'arc des nains est super intéressant à Cataclysme, mais il y a quand même des oublis, malheureusement. C'est pour ça aussi que Gilneas, je trouvais vraiment le chef-d'œuvre. Parce que les nains, c'est super intéressant, mais par exemple, disparition totale du Sénat. Le Sénat des nains disparaît. On ne sait pas ce qui se passe. Il est toujours là, hein, canoniquement, on n'est pas avec l'Empereur et les Star Wars, hein, il est toujours là, mais il n'a aucun rôle à jouer quasiment, je ne sais même pas s'il est évoqué d'ailleurs, dans Cataclysme. Donc on voit justement Magni qui se transforme en statue de diamant sous les yeux terribles, sous les yeux terrifiés d'Anduin, et il va y avoir tout simplement une sorte de guerre civile qui va arriver chez les nains, puisque qui doit gouverner en l'absence de Magni? Eh bien Moira, la fille unique d'ailleurs de Magni, qui avait fui et qui boudait un petit peu son père pour différentes raisons, mais le simple fait par exemple qu'elle se soit mariée avec un Dark Iron, un sombre fer, et l'autre problématique qui était qu'elle était une femme et Magni voulait un homme, voulait un héritier mâle, ça a créé des tensions entre le père et la fille. Et la fille, eh bien, profite de la pétrification de Magni pour justement revenir à Ironforge en disant « Je suis l'héritière, le trône me revient de droit ». Et ça va créer des grosses tensions. Muradin, qui aura très très peu de rôle à jouer, hein, il a été ressuscité à Hotelka pour rien faire, bah, il sera là et il est en mode « Moi je suis le frère de Magni, je représente les Bronzebeard, toi tu essayes par ton sang de représenter à la fois les Sombres Fers, les Dark Iron et les Barbes de Bronze, les Bronzebeard ». Ça marche pas. Donc il y a une grosse opposition, sachant que Moira a vraiment envie d'imposer les Dark Iron aux autres. Elle essaye de récupérer ça de manière assez agressive. Et il y a les Wildhammer qui vont se mêler à cette intrigue. Donc les Marteaux Hardis avec Falstad et Kurdran. Donc ça va être un gros problème. Donc le problème aussi, c'est que Moira va prendre en otage Anduin qui était en formation à Ironforge. Et ça va pas plaire à papa. Varian arrive, il est fou furieux. C'est Varian, hein, que vous voyez au milieu. Il est fou furieux. Et eh bien, on va être vraiment à deux doigts d'une guerre civile chez les nains et chez l'Alliance, tout court. Hein, parce que ça dépasse même juste les nains. Ça dépasse le conflit racial. On est vraiment sur quasiment une guerre civile au sein de l'Alliance. Anduin va finalement réussir à calmer les choses. Il va faire épargner Moira parce que Varian était à deux doigts de la détruire. Donc finalement, tout le monde va s'entendre et il va y avoir tout simplement une union, en fait, un accord va être trouvé qui s'appellera le Conseil des Trois Marteaux, une organisation qui va regrouper les trois grands clans nains, les Bronzebeard, les Dark Iron et les Wildhammer, afin d'unir le peuple nain. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, les nains de givre qui avaient été créés à Hotelka, pas les steaks. Mais au final, eh bien, le Conseil des Trois Marteaux, c'est assez intéressant parce que c'est le triumvirat nain qui va diriger le peuple nain. Bien sûr, à Ironforge. Il y aura d'ailleurs un petit changement là-dessus. Alors, j'en ai parlé dans la généalogie sur les nains, mais il va y avoir un petit changement assez drôle où des fois on dit Blizzard n'écoute pas la communauté. Il y avait une petite erreur. Blizzard avait fait une erreur en mettant Kurdran, Wildhammer, donc le héros de guerre que vous trouvez, la statue de nain devant Stormwind, devant Hurlevent. Eh bien, c'est un héros de la deuxième guerre. Eh bien, Kurdran devenait le chef des Wildhammer. Kurdran, en fait, théoriquement, c'était Falstad, le chef des Wildhammer, puisque Kurdran était disparu. Ils avaient remis Kurdran en mode il revient, il reprend sa place. Et bien il y a carrément une nouvelle sur les nains qui va expliquer cette incohérence et qui va justifier, en fait, grâce au retour d'un fan, le Red Shirt Guys, l'homme au t-shirt rouge, et bien ils vont créer une nouvelle exprès pour ça, pour expliquer qu'en fait Kurdran est un guerrier et la politique il n'y arrive pas, il se fait
il se fait avoir par Moira et il a du mal. Et du coup, il va laisser le pouvoir à Falstad, qui est un bien plus fin politique. Kurdran se concentrera sur le. Alors, il continuera à faire de la politique, mais il laisse la couronne, je dirais, de chef des Wildhammer à Falstad. Donc, ça, c'est assez intéressant. Beaucoup de choses intéressantes, mine de rien, avec les nains. Et donc, comme on en a parlé, ben, les humains ont un rôle à jouer dans le lore des nains, mais les humains, ben, c'est peut-être la seule race qui avait vu son histoire avancer avant Cataclysme. Le comics de Varian, bien sûr, les bandes dessinées de Varian ont joué un énorme rôle dans le retour de Varian, l'intrigue avec Onyxia, le Bolvar, vous savez, hein, la vidéo sur Bolvar aussi, etc. Donc, forcément, Varian, eh bien, on va dire, l'arc des humains a eu lieu avec Burning Crusade ou Hotelka, même si c'est pas dans le jeu directement, c'était présent dans les comics. Donc au final, eh bien, le lore des humains bouge très très peu à Cataclysme. Comme je l'ai dit, le lore des humains s'est greffé au lore des nains quasiment. Donc on a peu de nouveaux éléments. Il y a une reprise bien sûr des thématiques de Vanilla, notamment avec le retour des Défias, qui est justifié par l'appauvrissement de la population suite à la guerre contre le roi Lich. On a également, eh bien, du coup, les orques Blackrock, les orques Roche Noire. Qui sont au final des c'est pas vraiment des orques Blackrock, mais bon, je ferai la vidéo de généalogie sur les orques pour plus de détails. Mais pour simplifier les choses, les orques Blackrock attaquent comme à Vanilla, la Horde Noire attaque comme à Vanilla les terres des humains, donc très peu de nouvelles choses pour les humains. Mais par contre, c'est vrai que l'avancée du lore des nains, bah, concerne les humains, mais concerne également une autre race, malheureusement. Alors, c'est un sujet honnêtement très sérieux pour les gnomes, et c'est l'une des rares fois où les gnomes seront traités avec sérieux, et je vous conseille fortement de lire la nouvelle sur Mechanivel, Mechatorque, puisque eh bien, c'est peut-être même la seule fois où le lore gnome est traité avec du sérieux. Et c'est dommage parce que ça vous montre que ça pourrait être intéressant. Malheureusement, ils sont là pour faire rigoler, ils sont rigolos, donc on s'en fout. Malheureusement. Donc les gnomes, en fait, depuis un moment, hein, depuis Vanilla, ils ont été exilés de leur capitale Gnomeregan. Et du coup, eh bien, ils planifient depuis un moment la reconquête de leur capitale. Ça s'appelait même les exilés de Gnomeregan, qui avaient dû être dégagés et parqués, tels bah, c'est des réfugiés, hein, donc parqués des nains. Et au final, l'instabilité politique chez les nains va chasser, tout simplement. On va remercier les exilés, on va leur dire, bah, c'est bien mignon, mais il faut laisser de la place. Maintenant, il y a Dark Iron et les Wildhammer qui arrivent, donc vous êtes mignons, mais dégagés. Ce qui fait que une grande partie des exilés de Gnomeregan vont être de nouveau dégagés de leur foyer. Donc ça, c'est vraiment dur pour les gnomes. Et ça va hâter, on va dire, la campagne militaire que Mechanivel avait planifiée de reconquête de Gnomeregan. Le souci, c'est que justement, en relançant l'invasion, la reprise de Gnomeregan, eh ben, l'antagoniste, la Némésis, qui a trahi son peuple, encore une fois, un grand souverain d'une race qui trahit son peuple et qui s'oppose à l'autre, je dirais, tête de file de la race, donc Mechatorque versus Thermojoncteur ou Thermoplug en anglais. Donc le rival qui était l'ami, le meilleur ami de Mechanivel, qui était l'un des responsables de la chute de Gnomeregan, eh bien, les deux vont s'affronter directement. Mechatorque va tomber dans des embuscades de Thermojoncteur. Et du coup, eh bien, on récupère une partie de Gnomeregan, mais pas la totalité. Et d'ailleurs, même au sein de Cataclysme, quand vous faites le raid de Gnomeregan, vous récupérez de nouveaux étages. Mais Gnomeregan, à l'heure actuelle, canoniquement, n'est toujours pas reprise entièrement. Il y a toujours des étages, c'est très grand Gnomeregan, hein, sur le papier, comme Ironforge, et elle va très loin sous la terre. Donc il y a encore des étages et encore des niveaux qui ne sont pas récupérés. Donc les gnomes récupèrent qu'une partie de leur capitale. C'est triste, hein, les gnomes. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas traité très sérieusement. De l'autre côté du monde, en Kalimdor, nous avons les bouleversements climatiques qui affectent, bien entendu, les différentes races de la Horde. Et la furie des éléments va, eh bien, mener Thrall à se questionner sur ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Thrall, c'est quand même le chaman le plus puissant d'Azeroth, et il comprend pas ce qui se passe pour lui. Il est en mode, il essaye d'appeler les éléments, de comprendre leur tourment, mais il n'a aucune réponse. Donc, les éléments refusent de répondre, et là, bah, ça, il est très humble, Thrall, au final, et il se remet énormément en question sur sa maîtrise des éléments, sa maîtrise du chamanisme, tout simplement. Donc, il va vouloir perfectionner son savoir, et quoi de mieux que d'aller aux origines du chamanisme, à savoir revenir sur la terre natale des orques, Draenor, l'Outre-Terre, notre Draenor, l'Outre-Terre.
Donc il va aller voir mamie, il va aller voir sa grand-mère en Agrande, Gaïa, et c'est là qu'il va eh bien, récupérer son savoir. Ça ressemble encore une fois, on le sait, hein, Chris Madden adore Star Wars, ça ressemble beaucoup à l'épisode 6 avec Luke qui retourne sur Dagobah pour parfaire sa formation avant de pouvoir eh bien, affronter la grande menace. Ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est assez bien dilué pour que le... Je dirais pour qu'on ne voit pas trop les ficelles, et c'est très bien fait d'ailleurs, puisque Thrall eh bien, va aller voir Yoda, à savoir sa grand-mère, mais il y a une waifu Yoda qui va apparaître, c'est Agra, donc une chamane magar très douée, qui va compléter également sa formation, et ça deviendra tout simplement sa future femme, ils vont tomber amoureux et fonder une famille ensemble. Il Thrall, grâce à ses pouvoirs, eh bien, sera un petit peu comme Luke Skywalker, le sauveur du monde. Par la suite, on y reviendra aussi. Pendant ce temps, et bien sûr, les orques et la horde doivent avancer. Thrall n'étant plus là, il va confier le pouvoir de chef de guerre à quelqu'un. Vous le voyez à gauche. Alors là, c'est pareil, il y a deux vidéos. Il y a déjà celle qui est disponible de Garrosh et arrivera la vidéo sur l'effondrement prélude au cataclysme, ainsi que la généalogie sur les orques. Mais bon, ça c'est en annexe, on va dire. Donc, parce qu'il faut essayer de faire gagner du temps. La vidéo sera longue déjà, mais il faut essayer de faire gagner du temps. Donc, il y aura d'autres vidéos à part, en annexe, pour cette vidéo-là. Et du coup, eh bien... Thrall, pour différentes raisons problématiques, je dirais, va donner son poste de chef de guerre. Alors à la base, c'était éphémère, ça devait être temporaire. Va donner, mais on sait comment ça finit, va donner sa chaise de chef de guerre, sa place de chef de guerre à Garrosh. Le problème, c'est que Garrosh, bah, c'est un bourrin. Et comme c'est un bourrin, eh ben, il fait pas l'unanimité. Et il y a beaucoup de... Et donc les autres chefs de la horde, ils sont en mode, Garrosh, s'il te plaît, un peu de discernement. Réfléchis, réflexion, Garrosh. Mais Garrosh, lui, c'est « tapeux, popo !» Et du coup, les autres ont un petit peu des soucis, et notamment Kern, qui n'est pas du tout d'accord avec la politique que mène Garrosh, Vol'jin non plus d'ailleurs, mais c'est surtout Kern qui est l'opposition politique de Garrosh, et Kern étant l'une des figures emblématiques de la Horde, eh bien, il va y avoir un moment donné où on fait monter la pression, et il y a un moment donné où ça va péter, et c'est bien aidé, alors déjà, hein, il n'y a pas besoin de ça pour que ça pète, mais ça va être également aidé par le marteau du crépuscule, le Twilight Hammer, qui est dirigé par Cho'Gall, et qui sert tout simplement les dieux très anciens. On en reparlera de Cho'Gall par la suite, donc je sais, encore une fois, un truc sur lequel on reviendra. Ça va être complexe, un cataclysme, il y a beaucoup de choses. Mais le marteau du crépuscule, donc le Twilight Hammer qui sert les dieux très anciens, va essayer eh bien, de foutre un petit peu des tensions, va tout simplement faciliter, va mettre de l'huile sur le feu pour faire en sorte que ça pète du côté de la Horde, mais aussi du côté de l'Alliance et entre les deux factions, pour justement eh bien, fragiliser les deux factions et faire en sorte que l'invasion du monde, la conquête du monde, soit tout simplement facilitée. Donc, le problème, c'est qu'il y a un regain de tension entre la Horde et l'Alliance, et à un moment donné, eh bien, à cause du marteau du crépuscule, Kern va croire que Garrosh est responsable de quelque chose, et c'était pour lui la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le problème, c'est qu'il s'est fait avoir, le marteau du crépuscule, c'était eux les responsables. Garrosh, pour une fois, n'y était pour rien. Kern défie en duel Garrosh, Garrosh accepte le Magora, la Magora ou comme vous voulez, et Kern trouvera la mort dans ce duel, et c'est pas parce que Garrosh lui était supérieur, Garrosh lui-même dans les différents écrits dit que Kern l'aurait probablement battu, mais comme vous le voyez sur l'image tout à droite, eh bien il y a une Tauren qui va intervenir dans ce duel qui est l'opposant politique de Kern, à savoir Magatha Grim Totem ou Magatha Totem Sinistre, qui en fait a tout simplement empoisonner la hache de Garrosh. Garrosh n'aura mis qu'une petite blessure, vous voyez, c'est l'espèce d'entaille sur le bras, une petite blessure qui semble bénigne, et en fait, le poison va avoir raison du grand chef Tauren, ce qui va tuer Kern. Alors là, c'est quand même quelque chose d'important. Comme je vous disais, on peut reprocher beaucoup de choses à Cataclysme, mais ça avance. Que ce soit bien fait ou pas bien fait, hein, des fois c'est très bien fait, comme les Worgen, les Guilnéens, les Nains, parfois, on va dire que c'est plus contestable, du côté de la Horde, notamment. Mais on ne peut pas reprocher de manière objective, on ne peut pas reprocher au fait que Cataclysme prenne des risques, tuer une figure emblématique de la Horde, à savoir Kern, c'est vrai que c'est couillu. Il faut être honnête que c'est couillu. Personnellement, je dirais que c'est à la fois mal fait et bien fait. La mort de Kern apporte pas mal de choses à l'histoire et fait avancer l'histoire, ça c'est clair. Le problème c'est la manière, la mort de Kern arrive dans un bouquin, en jeu, on ne voit pas ce combat, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, si vous n'avez pas lu le livre, vous dites « mais il est passé où Kern ?» Et on te dit « il est mort ». Comment bah, il est tué par Garrosh. Hein? Genre, c'est quand même quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que l'univers étendu, c'est très important, par exemple, pour détailler le duel, mais il aurait fallu peut-être un flashback ou une scène pour montrer le duel, parce que bah, sinon, on est complètement perdu. Donc, pour l'histoire des Tauren, et bah, ça va avancer, notamment, suite à la mort de Kern.
eh bien, des mains de Garrosh. Bane va énormément se retenir pour pas lui péter la gueule. Hein. Il va vouloir se venger de Garrosh, mais finalement, il va se retenir, notamment avec les conseils d'Amul et des autres grands tauren. Quelques tauren au final, parce qu'il n'a pas tant que ça. Et il va surtout se consacrer à éviter, parce que là, il y a une véritable guerre civile qui démarre chez les tauren. Du coup, eh bien, Bane va essayer de faire en sorte de garder le contrôle de ces clans, des différentes tribus et des différents clans, unis contre le clan qui a tué l'ancien chef des clans, à savoir Khern Ludov, Khern Sabot de Sang. Donc Magatha, il faut vaincre Magatha et son clan, les Grim Totem. Et le truc, c'est que Magatha a fait un coup d'état et a récupéré la capitale. Magatha va être chassée de la capitale, mais elle ne s'avoue pas vaincue, et du coup il va y avoir des combats un peu partout qui vont éclater, que ce soit à Mulgore, donc le foyer ancestral des tauren, mais également dans les mille pointes plus bas, enfin, plus au sud, entre le clan Grim Totem et les différentes autres tribus qui sont restées fidèles à Bane. Donc au final on a Bane qui va remplacer son père, poste pour poste, et Bane, bah, c'est vrai qu'à Cataclysm c'est papa bis en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que eh bien, Bane, petit à petit, va être... c'est pas une création de Cataclysme Bane, il était déjà créé à Warcraft 3, mais il va prendre son essor véritablement à Cataclysme Bane. En bien ou en mal, je sais que certains sont tristes de la mort de Khern, mais Bane au final est quand même un personnage assez intéressant, même si parfois il mériterait un peu plus de temps d'écran. Passons du coup à une autre race de la Horde, à savoir les morts-vivants. Alors je vais pas rester trop en détail dessus, parce qu'il y a beaucoup de vidéos déjà qui ont été faites sur Sylvanas à Cataclysme et les réprouvés à Cataclysme. Donc je vous laisse aller voir la vidéo de Debunkage sur Sylvanas et la vidéo de l'Orée de la Nuit, qui est la nouvelle de Cataclysme, justement pour préparer la transition Wrath of the Lich King Cataclysme, et qui sert d'ailleurs énormément pour Shadowlands, hein, à savoir les Terres d'Ombre, l'Ombre Terre. Donc Sylvanas, après la mort du Roi Lich, n'a plus de but dans sa vie, elle ne sait plus quoi faire, elle s'était d'ailleurs suicidée tellement elle avait plus de but. Finalement elle revient, je vous passe la raison, hein, vous avez regardé les deux vidéos que j'ai citées juste avant, et son but maintenant ça va être de survivre à tout prix. Elle veut survivre à tout prix parce qu'elle sait ce qui se passe si jamais il meurt, et sait ce qu'il y a derrière la mort, elle sait quelles sont les ténèbres qui la guettent, donc elle a besoin des réprouvés pour la protéger. C'est son arme qu'elle chérit, hein, c'est son arme. Avant elle s'en foutait un peu, maintenant elle s'en fout toujours, hein, elle considère ça comme une arme, mais elle chérit cette arme puisqu'elle sait que c'est son bouclier pour la protéger de la prévie, de la mort tout simplement. Donc Garrosh va lui ordonner à Sylvanas d'attaquer Gilneas, hein, comme on l'a dit, le relent de conflit entre les différentes factions, mais Gilneas n'est toujours pas dans l'alliance à ce moment-là. Donc Garrosh va en profiter et récupérer, asseoir sa domination sur le continent, sur l'Ordéron, et du coup il veut que les réprouvés attaquent Gilneas. Donc en fait à la base les réprouvés ils ont pas spécialement grand chose contre les Worgen, bon c'est des êtres vivants donc ils vont les fracasser. Alors il y avait déjà des Worgen bien sûr de base, mais les Gilnéens eux, il y avait pas grand chose. Donc au final c'est Garrosh qui a forcé Sylvanas à attaquer, sans Sylvanas d'ailleurs ça aurait été un carnage, ça aurait été une boucherie. Et ce qui est important à noter, c'est que Sylvanas, elle s'en rappellera toujours de ça. Elle aura un profond rancœur à l'égard de Garrosh à cause de ça. Parce que Garrosh l'a traité comme une merde et lui a dit « Vas-y, allez-y, vous êtes que de la chair à canon, j'en ai rien à foutre de vous. » Sylvanas ne l'oubliera jamais, ça tombe pas dans l'orteil d'un sourd, hein, avec Sylvanas. Petite référence aux inconnus, évidemment. Du coup, eh bien, c'est l'histoire, bien sûr, de Gilneas et des Worgen, qui est directement liée à la campagne militaire lancée par les réprouvés, par les morts-vivants. De l'autre côté, du mur Greymane, du mur de Gristet. Alors, je vous laisse bien entendu aller voir la vidéo sur Gilneas, là ça va me permettre de gagner énormément de temps sur la vidéo. Le cataclysme va en foutre plein la gueule aux Gilnéens, à savoir des tsunamis qui vont bouffer les parties sud des terres, les séismes qui vont faire tomber le mur de Gristet en partie, ce qui fait eh bien, que le territoire va être ravagé par les différents éléments et les phénomènes météorologiques, mais aussi eh bien, va tout simplement créer une brèche dans le mur pour que les morts-vivants puissent attaquer tranquillement Gilneas. Et ça c'est un problème parce que ça va amener les Gilnéens au bord de la ruine, le royaume est sur le point de tomber aux mains de la Horde et des réprouvés, ce qui fait eh bien, que les Gilnéens vont devoir fuir leur patrie d'origine, vont devoir s'exiler de Gilneas. Et ils vont aller où? Ils vont aller chez les Elfes de la Nuit. Et vous dites quoi? Ils vont chez les Elfes de la Nuit? Si vous n'avez pas suivi, forcément c'est un petit peu compliqué, mais la vidéo sur Gilneas vous fera comprendre pourquoi les Elfes de la Nuit interagissent, mais en gros c'est tout simplement qu'ils partagent un lien druidique. Les Elfes de la Nuit ont aidé tout simplement à corriger une partie de leur faute pour faire en sorte,
c'est un peu de leur faute si les Guilnéens sont devenus des Worgen, et pour se faire pardonner, ils vont aider les Guilnéens à contrôler la bête intérieure, hein, les Worgen, tout ça, et c'est également beaucoup plus détaillé dans le roman Cœur de Loup. Et un point que j'avais pas pris, enfin j'avais pas pris le temps d'évoquer ce point dans la vidéo sur Guilnéas, parce que c'est Cœur de Loup. Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est qu'au départ, Varian, donc le chef de l'Alliance, le roi d'Azeroth, le roi du royaume d'Azeroth, donc le roi de Stormwind, Hurlevent, est totalement contre l'arrivée de Guilnéas dans l'Alliance, puisque Ghen Greymane, eh bien, avait trahi l'Alliance en quittant l'Alliance et en laissant Lordaeron se faire ravager par les morts vivants. Varian considère que c'est bien fait pour la gueule de Greymane que Guilnéas soit perdu par les morts vivants, hein. C'est assez ironique que, le fléau qui s'est abattu sur les terres de Lordaeron se retourne à un moment donné contre les Guilnéens qui avaient refusé d'agir. Et Varian en veut énormément à Greymane parce que, à cause de, il juge Greymane responsable de pas mal de torts qui sont arrivés à l'Alliance, l'ancienne Alliance, hein, celle de Lordaeron. Mais du coup, eh bien, il considère que Greymane et Guilnéas n'a pas sa place dans la nouvelle Alliance de Varian, l'Alliance d'Azeroth en gros. Donc, au départ, il y a des énormes tensions entre les deux, sachant que Greymane a beaucoup appris de ses échecs, les nouvelles de Guilnéas, tout ça, et du coup, il veut faire amende honorable. Le problème, c'est que c'est quand même une sacrée tête de con, hein. C'est un peu la Catalogne et les Pays Basques réunis, hein, qui forment, je suis catalan, vous le prenez pas mal, d'origine catalane, et du coup, c'est un peu le Pays Basque et la Catalogne, hein, les Guilnéens, c'est des têtes de con. Donc, forcément, eh bien, ils sont sympas au départ et ils veulent faire amende honorable, mais il y a un moment donné où Varian il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice là. Donc, eh bien, il va pas se laisser faire et il va y avoir une énorme rivalité. Et c'est finalement Malfurion qui réussira à faire trouver une entente. Notamment, Greymane va aider Varian à calmer sa bête également, sa bête intérieure. Mais c'est pas Worgen, c'est plus une bête. Hein, enfin, on va dire, c'est une bête philosophique intérieure. Il est plein de rage, Varian. Du coup, Greymane va lui apprendre, on va dire, des méthodes de méditation tout simplement pour qu'il se calme et faire la paix notamment avec sa rage intérieure et faciliter eh bien l'amour qu'il a envers son fils parce qu'il est en train de se distancer d'Anduin, le fils de Varian. Donc finalement Guilnéas va rejoindre l'Alliance et donc les Worgen sont la race qui rejoindra l'Alliance à ce moment là. Nous avons ensuite les Draenei et les Elfes de Sang. Alors je vais les lier ensemble parce que bah eux il n'y a quasiment rien du tout pour Cataclysme, c'est pas pour rien puisque les Draenei et les Elfes de Sang ont eu très peu de changements du simple fait, alors c'est à la fois une raison de gameplay et de lore. Déjà dans le lore, bah, c'est pas des races très importantes dans, alors ne le prenez pas mal hein, si vous êtes joueur Draenei ou Elfes de Sang, mais c'est pas des races importantes de leurs factions respectives. Les Draenei sont arrivés récemment, les Elfes de Sang là-bas c'était même des membres de l'Alliance qui rejoignent la Horde, donc ils ont pour le moment ils ont leur place à faire, enfin ils doivent se faire une place, donc pour le moment c'est pas trop de rôle à jouer dans les différents événements. Mais il y a aussi une raison de gameplay, on peut pas l'oublier, il y a une principale raison qui est le gameplay, puisque malheureusement il y avait des techniques qui avaient été faites à Burning Crusade, et en gros les serveurs sont différents. Donc s'il y a des changements qui se font sur les serveurs normaux, eh bien ça n'affecte pas les serveurs de Burning Crusade. C'est du gameplay, c'est très vieux techniquement, ce qui fait que vous ne pouvez toujours pas voler dans les terres Draenei et en Kel'Thalas, tout simplement, les terres des Elfes de Sang. Donc, eh bien, forcément, si tu ne peux pas avancer et changer, sachant que les zones à l'époque sont quand même plutôt sympathiques puisque c'est des zones assez récentes, eh bien, il n'y aura rien de fait de nouveau, on va dire, sur ces zones-là. En dehors, bien sûr, d'un événement, mais on y reviendra après. Donc, très très peu de changements. Et concernant la progression de Draenei et Elfes de Sang dans le monde, pareil, très peu de développement par rapport à en dehors de leur terrain respectif, je dirais, puisque nous avons Velen qui sera présent au Marais des Chagrins pour récupérer les rouées qui étaient déjà là à Vanir, hein, les Viet Rouées, les terribles Viet Rouées qui nous ont tués combien de fois sur Vanir, sur Classique. Eh bien, il va faire en sorte de créer une espèce d'enclave Draenei dans le Marais des Chagrins, ça permettra aussi de faire une base de l'Alliance, mais les Rouées vont commencer à rejoindre tout simplement les Draenei. Ça peut être une race alliée, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de Rouées, hein, au final, qu'on rejoint l'Alliance. Et donc ça c'est l'arc, on va dire, Draenei principal à Cataclysme, donc c'est pas grand chose. Et du côté des Elfes de Sang, eh bien ils sont quasi absents, sauf une organisation qui va être créée, qui est géniale, qui s'appelle le Reliquaire. Qu'est-ce que le Reliquaire? Eh bien c'est tout simplement l'opposé, je dirais, de la Guilde des Explorateurs de l'Alliance. La Guilde des Explorateurs qui était principalement naine, donc c'est vrai que ça faisait beaucoup Alliance. Eh bien la Horde va maintenant avoir sa propre Guilde des Explorateurs, à savoir le Reliquaire. Et qu'est-ce que le Reliquaire? Eh bien, ceci est un hommage à Harrison Jones. Eh oui, à Indiana Jones, le film Indiana Jones. Parce que Harrison Jones et la Guilde des Explorateurs, c'est côté Alliance. Et bah du coup, on va donner les méchants
de la guilde, enfin on va donner les méchants d'Indiana Jones avec le reliquaire. En gros, des nazis qui essayent de récupérer des reliques pour en faire des armes, parce que c'est ce que font les nazis. On en fera une arme. Et là, les nazis, c'est qui? C'est les elfes de sang. Voilà le seul traitement des ailes de sang à Cataclysme. Merci à vous. C'est incroyable. Donc, on va enchaîner après. Donc, comme je le disais, pour faire une synthèse un petit peu de l'évolution des différentes races, c'est tout simplement eh bien, la reprise du conflit hors d'alliance. Je vous laisse aller voir la vidéo sur le monofaction-trifaction, puisque je fais tout simplement une espèce de chronologie des phases de guerre froide, des phases de guerre chaude, donc grosse tension entre l'alliance et l'ordre. Cataclysme, c'est... la guerre mondiale, hein, la reprise d'une guerre mondiale entre la Horde et l'Alliance qui était visuellement présente. Beaucoup se disent, ouais, le conflit à BFA, donc là je fais un anachronisme bien sûr, mais à Battle for Azeroth, beaucoup disent, oui, la quatrième guerre c'est bien mignon, mais visuellement, bah, en dehors de Zandalar et Kul'Tiras, on voit pas trop, à part dans les missions de champions. Ah, pour le coup, Cataclysme, on était vraiment dans la quatrième... Enfin, ça s'appelle pas la quatrième guerre, mais pourtant elle le mérite, hein, parce que c'était une véritable guerre mondiale. Et on voit eh bien, tout simplement tous les fronts de bataille, de guerre, je dirais, entre l'Alliance et la Horde. Alors quand c'est une épée rouge, c'est que c'est la Horde qui a initié l'assaut. Quand c'est une épée bleue, c'est l'Alliance qui a initié l'assaut. Quand il y a les deux épées, c'est tout simplement eh bien, ensemble. On ne sait pas qui a commencé. Donc vous avez tout simplement tout ce qui est l'assaut d'Ashen Vale, l'assaut des forêts d'Orneval par la Horde et par Garrosh. Alors, il y en a beaucoup qui vont déboucher à une attaque, notamment sur les serres rocheuses, donc Stone Talon et Darkshore, donc Sombre Rivage. On a également, alors ça c'était pas mal parce qu'ils avaient utilisé une tribu de trolls d'ailleurs, bon ça c'est bon, je sais même pas pourquoi j'en parle, mais ils avaient utilisé certaines petites races alliées, on va dire, pour attaquer, c'était assez intéressant, notamment des trolls des jungles au niveau de Darkshore. Nous avons à Ashara les elfes de la nuit qui essayent de dégager les gobelins pour reprendre leur territoire ancestral aussi. Nous avons par contre l'Alliance qui est à l'initiative de l'attaque dans les Barrens, donc dans les Tarides. On en reparlera dans la vidéo sur Terra Mort plus en détail. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et du coup, eh bien, il y a des assauts dans les Barrens par l'Alliance. C'est vraiment un sacré bordel. On a bien sûr l'offensive des morts-vivants, des réprouvés, de Sylvanas contre Gilneas, mais également contre les positions de l'Alliance, en Lordaeron, ce qui reste, on va dire. Notamment la bataille d'Andorral, qui est un truc à faire. Si je vous conseille une zone, il y a une zone que Cataclysme a très très bien fait, c'est toute une partie de zone, c'est tout simplement le nord de Lordaeron, côté Horde. Alors côté Alliance un peu moins, mais côté Horde surtout, avec l'assaut des réprouvés sur Gilneas, l'assaut des réprouvés sur Ilsbrad, donc les hautes bandes, l'assaut sur Arati, la bataille d'Andorral, c'est super intéressant, c'est très très riche, c'est vraiment vraiment cool. Donc s'il y a bien une zone que vous devez faire à Cataclysme, c'est celle-ci. Ça a été honnêtement ma bouffée d'air frais. Quand tu te retapes pas beaucoup de zones de Cataclysme, ça donne une grosse bouffée d'air frais, je vous le garantis. Et maintenant, eh bien, on va attaquer les nouvelles zones, bien sûr, qui arrivent, puisque ça concerne la trique principale, bien entendu, de Cataclysme. Et c'est l'occasion, mesdames et messieurs, tout simplement, eh bien, d'attaquer Cataclysme, donc de se regarder tout simplement la vidéo d'introduction de Cataclysme.
tout entier à l'ombre de mes ailes. Ah, on peut dire beaucoup de choses, mesdames et messieurs, mais elle est impressionnante. Cette cinématique, elle est extrêmement impressionnante. Hein. La musique est incroyable d'ailleurs, et il va falloir qu'on revienne dessus. Parce qu'il s'est passé des choses sympas dans cette cinématique. Alors je vous laisse la revoir évidemment, parce que ça fait tout simplement une heure de vidéo, et nous n'avons fait que le contexte. Là on attaque Cataclysme, mesdames et messieurs, pour vous dire. Et encore, hein, j'ai beaucoup botté en touche en disant allez voir cette vidéo, allez voir cette vidéo, allez voir cette vidéo pour plus de détails. Donc imaginez la taille de, du contexte de Cataclysme. Donc cette vidéo, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, on y reviendra après, mais il y a énormément de choses à dire. Concernant, tout simplement, eh bien vous le voyez, ça c'était la carte qui avait été annoncée. Alors Eva a fait des petites retouches, et merci encore à lui pour la carte, mais il a fait des petites retouches pour vous indiquer, ça c'est une carte qui a été montrée, je crois à la BlizzCon 2009 du coup, lors de l'annonce de Cataclysme, pour vous montrer un peu les nouvelles zones qui allaient arriver. Et à l'époque, le Deepholm, ce qu'on appelle le Tréfonds avec un T majuscule, on y reviendra, eh bien le Tréfonds à l'époque ne devait pas être au Maelstrom, hein, l'espèce de tempête sur la carte, hein, l'espèce de noyau là au milieu de la carte. Le Tréfonds, ça devait se présenter en fait entre Kazmodan et Azeroth. Donc au-dessus du Hurlevent, vous savez, au-dessus de la capitale Stormwind, et en dessous de Kazmodan, au sud de Kazmodan, vous savez, il y avait une espèce de grande chaîne de montagnes Avania. En fait, ce qui était expliqué et ce qui est montré dans la cinématique, c'est que cette chaîne de montagnes va être explosée, va être détruite, et s'appellera en fait la balafre, la cicatrice de Deathwing, la balafre de Deathwing, en gros, puisque d'Eldemort, puisque c'est l'endroit en fait où normalement il sortait. Et du coup, dans la cinématique, vous avez encore ce passage. On s'est toujours dit, mais pourquoi il sort d'une chaîne de montagnes, c'est où? Géographiquement, c'est où? Et bien en fait, on a la réponse dans la carte de 2009, justement, qui nous montrait qu'en fait, ça devait se trouver là, le Maelstrom. Mais finalement, ça va être abandonné en cours de développement pour la mettre dans le Maelstrom, parce que c'est plus impressionnant. Et une tempête climatique pour te montrer le cataclysme, le Maelstrom, qui est un endroit légendaire dans Warcraft 3, c'était l'occasion d'utiliser vraiment les poussières qui restaient de Warcraft 3. C'est plus badass de mettre ça là-bas. Donc, eh bien, ça aura pas mal changé. Un autre point concernant Deathwing, dans cette vidéo on s'est tous dit, avant d'aller dans le détail et dans le fond pour savoir ce que c'est, avant de faire tout simplement le Tréfonds, on y reviendra, le Tréfonds c'est très très important pour comprendre l'extension. Eh bien en fait, nous on se dit tous que en fait, c'est Deathwing qui provoque tous ces changements météorologiques et cette furie des élémentaires. Eh bien c'est vrai et pas vrai en même temps, c'est-à-dire que c'est lui, mais indirectement. Quand vous le voyez justement là se forger son armure en élémentium, qui était une armure en adamantium avant, là c'est toujours plus, hein, encore une fois Cataclysme, toujours plus. Quoi, l'adamantium, c'est pas un métal assez solide, on va mettre de l'élémentium. Et bah, en fait, Deathwing, pendant ce moment, en fait, vous le voyez taper un petit peu le sol, et en fait c'est pas n'importe quoi. Quand vous faites le Tréfonds, eh bien dans le Tréfonds, vous avez ce qu'on appelle le pilier de la Terre. Et le pilier de la Terre, c'est un monument gigantesque qui a été créé par les titans, qui en fait est directement lié à Azeroth. Si ce pilier est endommagé, eh bien il provoque tout simplement les catastrophes météorologiques et climatiques et la furie des élémentaires que l'on voit dans Cataclysme. Mais il y a un problème. Donc c'est même pas Deathwing qui fait ça. C'est le pilier de la Terre qui est détruit et qui provoque ce genre de choses. Mais il y a un énorme hic. Il y a un énorme problème. Alors, le Tréfonds, honnêtement, est une zone super sympathique, et moi j'espère d'ailleurs qu'ils se serviront du Tréfonds pour de futures extensions, par exemple, notamment sous la Terre, façon Jules Verne et tout dans le futur. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, et je pense que le Tréfonds est un bon projet de base pour pouvoir justement préparer plus tard quelque chose. Mais le problème, c'est que le Tréfonds, c'est vraiment la zone très importante de Cataclysme. Si vous voulez un peu plus approfondir l'histoire de Cataclysme, faites le Tréfonds et lisez bien les quêtes. Parce que vous allez vous dire, mais attendez, mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc là, vous voyez, c'est le pilier de la Terre. Hein. Le truc avec l'espèce de morceau qui traîne et tout, le gros truc au centre avec l'entrée, c'est ça le pilier de la Terre. Hein. C'est gigantesque. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut faire un rappel. Qu'est-ce que le Tréfonds, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que le Tréfonds? Donc, beaucoup de choses à dire sur cette zone qui, comme je l'ai dit, explique l'extension, explique la cinématique et l'extension. La zone a changé d'emplacement. Comme je l'ai dit, elle a été présentée à la BlizzCon, tout ça, tout ça. Mais en fait, le gros problème ici, c'est que le Tréfonds, c'est tout simplement un plan élémentaire.
qu'est-ce que sont les plans, qu'est-ce que sont plein élémentaires. Si vous avez vu la vidéo sur l'Empire Noir et l'ordonnancement d'Azeroth, vous savez ce que c'est. C'est tout simplement les seigneurs élémentaires, donc Ragnaros, Alakir, je fais de gauche à droite. Ragnaros, Alakir, Terrazan et Neptulon, eh bien, étaient les grands seigneurs élémentaires, donc l'espèce de dieu des différents éléments qui régnaient sur Azeroth à une époque, qui sont directement liés aux titans, à la monde qui est abritée dans Azeroth, qui est en train de grandir. Et en fait, quand sont arrivés les dieux très anciens, l'Empire Noir, quand sont arrivés les dieux très anciens, eh bien, ils ont réduit en esclavage les seigneurs élémentaires, et ça leur a servi en fait de chair à canon et de toutou. Au final, quand les titans vont découvrir Azeroth, ils se disent « What the fuck, qu'est-ce que c'est ?» et ils vont tout simplement vaincre. Je vous passe hein, les détails, vous allez voir ces vidéos-là pour plus de détails. Les dieux très anciens et donc leurs serviteurs esclaves, à savoir les seigneurs élémentaires. Ils considèrent que les seigneurs élémentaires sont liés à Azeroth, donc ils ne peuvent pas les détruire. Ils vont les laisser et ils vont les enfermer, donc c'est des prisons, dans des plans élémentaires. Donc ce sont des prisons. Là vous voyez les titans qui enferment les seigneurs élémentaires. Ils vont les enfermer dans 4 prisons, 4 plans élémentaires pour 4 éléments. Jusque-là, pas de problème. Nous avons les terres de feu pour Ragnaros, donc le seigneur élémentaire du feu. Nous avons, alors j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est les palais de, le palais de l'air ou le palais des tempêtes ou je sais plus quoi pour Alakir. Nous avons le trône des marées, donc la gueule des abysses pour Neptulon, qui est le seigneur élémentaire de l'eau. Et nous avons donc le tréfonds, avec un T majuscule, j'insiste, sur... pour Terrazan, qui est le seigneur élémentaire de la Terre. Accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, mettez votre ceinture, vous allez prendre la meilleure des migraines que vous avez jamais eues. Le tréfonds avec un T majuscule, c'est le plan élémentaire de la Terre, c'est la prison de Terrazan. Et où est ce pilier de la Terre créé par les titans qui permet en fait de stabiliser Azeroth et faire en sorte que tout se base bien sur Azeroth? Il est dans la prison élémentaire de la Terre. C'est comme si le président des États-Unis se disait « Écoutez, mesdames et messieurs, là, tout simplement, la mallette avec le code nucléaire et la clé pour activer le code nucléaire, eh ben, je pense que sa meilleure planque, ce serait tout simplement, pour calmer les crises en ce moment géopolitiques, etc., eh ben, on va les mettre dans une prison, dans l'une des prisons fédérales les plus dangereuses de l'État, enfin du pays. » Quelle belle idée! C'est une excellente idée de confier un tel pouvoir dans les mains de ton ennemi. Mais c'est génial! Eh oui! Parce qu'il faut lier ça, évidemment. Le pilier de la Terre, si tu le détruis, blablabla, blablabla. Donc tu le mets dans le plan élémentaire de la Terre. Mais le problème, c'est que c'est aux mains de tes ennemis. Donc c'est complètement con! Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début, ça, mesdames et messieurs. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Terrazan, eh bien, elle a la possibilité... Elle a en ses mains, elle a en son sein la possibilité d'anéantir le pilier de la Terre pour fragiliser sa prison et sortir de prison. Littéralement. Parce que les autres peuvent pas sortir, ils ont pas de pilier de l'eau ou machin, ça n'existe pas. Donc, Terrazan peut fragiliser sa prison, se libérer et prendre sa place de déesse de la Terre, de seigneur élémentaire de la Terre sur Azeroth et revenir à l'époque, on va dire... originelle où il y avait les seigneurs élémentaires qui se battaient. Mais c'est encore mieux pour Terrazan, parce que les autres ils sont enfermés, donc bien sûr elle va fragiliser leur barrière, mais elle sera totalement libérée en fait. Et elle peut fragiliser le monde et réorienter le monde comme elle veut, et ça on le sait qu'elle a le pouvoir, notamment dans Chronicles, mais ça a été dit depuis le début, il claque des doigts, boum, il y a des séismes, des trucs partout. Donc elle peut prendre directement le contrôle d'Azeroth, toute seule, sans que personne ne puisse l'arrêter, quasiment. Mais pour une raison qui s'appelle le scénario, elle ne le fait pas. Elle laisse le pilier de la Terre tranquille. Elle a littéralement les clés de sa cellule et le moyen de détruire le monde afin qu'elle puisse régner sur le monde, mais elle fait rien. Gentille la Terrazan, hein. Super sympathique la petite Terrazan. Et c'est pas terminé, mesdames et messieurs, encore une fois. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que il a toujours été dit qu'en fait Deathwing, dans les différents aspects, la vidéo sur Alexstrasza et les aspects, mais en gros, il y a les 5 grands dragons, hein, les 5 aspects, eh bien, vont avoir un rôle très important à Cataclysme, puisque Deathwing est l'un d'entre eux. Eldemort, hein, Neltharion, qui s'appelait Neltharion avant, et ce qu'on appelle le garde-terre. Donc il était celui qui gérait, on va dire, la Terre, et qui avait le pouvoir sur la Terre. On a Nosdormu qui gère le pouvoir du temps avec le vol bronze. On a le vol bleu avec Maligos, qui a été tué comme un sauvage, comme un malpropre, c'est terrible, à Wotelka. Il sera remplacé par Kalegos, qui représente le vol bleu. Nous avons Alexstrasza, tout simplement la lieuse de vie, donc qui... et tout simplement la reine des dragons, donc le vol rouge et le pouvoir de la vie.
Et nous avons Izera, le pouvoir en gros du rêve, etc., du rêve d'émeraude, de la nature, avec le vol vert. Neltharion était Deathwing qui était le vol en gros noir, le vol noir, qui lui avait le contrôle de la Terre. Ce qui est expliqué, c'est pourquoi c'est Deathwing qui pète un câble et pas les autres, parce que Deathwing il est sous terre. Il est justement dans ce qu'on appelait les tréfonds, avec un T minuscule, les tréfonds de la Terre. Les tréfonds, l'abîme, les abysses, etc., il était sous terre en gros. Et comme il était sous terre, où ont été enfermés les dieux très anciens, eux? Pas dans une poche dimensionnelle, ils ont été enfermés sous terre, dans des complexes titaniques. Yogg-Saron, Cthulhu, et notamment Nuzhat. Au final, eh bien, comme il était sous terre, il était directement au contact des dieux très anciens. En tout cas, il était plus près des dieux très anciens, ce qui explique qu'avec les années, avec les millénaires, eh bien, petit à petit, il a été corrompu par les dieux très anciens. Sauf que il n'est pas dans le plan élémentaire de la Terre. Il est littéralement sous terre, dans les tréfonds de la Terre. Pas dans le tréfonds, le nom du plan élémentaire de la Terre. Et là, Blizzard va faire quoi? Et c'est pas une erreur de Blizzard, c'est volontaire de la part de Blizzard pour vous embrouiller, pour que tout ait l'impression d'être cohérent et d'être bon. Eh bien, ils vont créer un flou totalement scénaristique où, en fait, le tréfonds, c'est là où Deathwing était. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que vous avez notamment à Légion le repère de Neltharion, qui est vraiment un repère dans les tréfonds de la Terre, qui était sous Terre, qui était un des repères, tout simplement, de Deathwing. Sauf qu'à Cataclysme, le tréfonds devient les tréfonds, en gros. Donc, le tréfonds, ça devient... En fait, c'est une poche dimensionnelle donc qui est liée à Azeroth, mais dans sa propre poche dimensionnelle, donc un truc qui n'a rien à voir, même si elle est liée forcément, devient également sous Terre. Et ça va être entretenu en permanence dans les quêtes du Tréfonds, mais également dans tout Cataclysme en fait. Et c'est un flou scénaristique entretenu par Blizzard pour perdre les joueurs et donner l'impression que tout est bien, tout va bien, tout est cohérent. Et en fait, c'est complètement débile. Par exemple, vous avez des Trogs et des Nains qui vont creuser tellement profond qu'ils arrivent au Tréfonds. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les quêtes du Tréfonds. Il y a des notamment... Bisous aux Trogs, notamment Glop, qui ont creusé tellement profond qu'ils sont arrivés dans le tréfonds. Donc on vous cache le fait que, en fait, bah, c'est sous terre, mais c'est une poche dimensionnelle qui n'est pas la Terre. C'est absolument terrible. Donc comme j'ai dit, cette confusion sera entretenue volontairement par Blizzard afin que ça passe, et ce qui va expliquer pourquoi Deathwing se repose dans le tréfonds avec un T majuscule, et pourquoi eh bien, il a accès au pilier de la Terre, et on ne sait pas pourquoi il a attendu 15 ans, parce qu'il a été vaincu après Warcraft 2 avec le jour du dragon, que je ferai une vidéo dessus, c'est prévu, ne vous en faites pas, eh bien, il aurait pu détruire le pilier de la Terre bien avant, mais il l'a pas fait. Hein. Scénario, hein, merci. Et au final, bah, Deathwing, eh ben, notre petite Terrazan, elle est à côté, elle voit Deathwing qui est blessé, elle pourrait se le farcir. Non, elle tolère sa présence, bon, ça, pourquoi pas, hein. Mais pas de problème. Et finalement, quand vous êtes dans les quêtes du Tréfonds, vous apprenez que Terrazan, eh bien... le marteau du crépuscule et les serviteurs des dieux très anciens foutent le bordel. Donc au final, Deathwing et Terrazan ne sont pas potes. On pourrait dire, bah, tous les deux servent les dieux très anciens, ils vont être potes. Et bah non, pas du tout. Donc Terrazan aurait pu vaincre Deathwing toute seule dans son propre plan. Je veux dire, dans le propre plan élémentaire de la Terre, Terrazan, elle est dieu en fait. Elle fait, hop, elle remodèle, et c'est dit le pire c'est que c'est dit dans les quêtes qu'elle remodèle, qu'elle peut remodeler le tréfonds comme ça l'arrange. Elle peut refaçonner le truc comme elle veut, parce qu'elle a le pouvoir sur la Terre, elle a son plan élémentaire. Donc en gros, elle peut tout réorienter. Donc, si jamais tu es ennemi de Terrazan et que tu arrives dans le plan élémentaire de la Terre, elle fait « toc », t'es enfermé sous Terre, ou tu te prends un éboulis sur la tronche, tu te prends une véritable fracture dans la tête et tout, enfin, tu peux tout prendre. Donc elle est Dieu dans son plan élémentaire. Donc, elle ne touche pas à Deathwing, pas de problème. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Et surtout, bah voilà, le pilier de la Terre qui est monument lié à la planète, eh bien, qui assure sa stabilité, est détruit. Donc encore une fois, c'est formidable. Et on arrive sur un autre point. Le tréfonds explique beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, notamment à un moment donné dans les quêtes du tréfonds, eh bien, au départ, elle essaye de chasser, Terrazan essaye de chasser les joueurs, et notamment les différents envoyés druides et chamans, tout simplement du cercle terrestre, qui essayent de comprendre ce qui se passe dans le tréfonds. Et de stabiliser, on va dire, la faille. Terrazan, au départ, est une antagoniste. Elle n'est pas avec Deathwing, mais elle est en mode « qu'est-ce que vous foutez chez moi? Je vous dégage ». Le truc, c'est comme je l'ai dit, elle fait ça, il n'y a plus de joueurs. Mais ce serait compliqué, ce serait problématique. Donc, en gros, elle envoie ses armées, ses enfants, etc.
se taper avec les chamans et avec les armées hors des alliances, les aventuriers, les fameux. Mais elle, elle reste comme ça, les doigts de pied en éventail, NP, pas de problème. Et ça, mais c'est incroyable en fait. Le tréfonds, c'est bourré d'incohérences et ça explique, c'est censé expliquer le cataclysme. Donc c'est extraordinaire. C'est, elle ne le fait pas. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien, Terrazan, tout simplement. Donc on va en revenir juste après, puisque les autres seigneurs élémentaires vont avoir un rôle important. Comme je l'ai dit en faisant le rappel justement des seigneurs élémentaires, les seigneurs élémentaires ont été réduits en esclavage par les dieux très anciens. Donc évidemment, en étant libérés notamment par la destruction du pilier de la Terre, eh bien ça fragilise les différentes barrières élémentaires. Bon, Terrazan, pour le coup, c'est carrément grand ouvert, elle peut sortir comme elle veut. Pour les autres barrières, c'est un peu plus compliqué. Neptulon avait déjà eu une invocation, Ragnaros aussi, même s'il n'était pas totalement présent. Ils sont pas totalement présents. Mais au final, eh bien, ils sont en partie libérés. Et enfin, le fait qu'on ait réussi à fragiliser les barrières élémentaires, ça renforce le pouvoir des seigneurs élémentaires, qui sont dans une version nerf, hein, je le rappelle. Hein. Le Ragnaros que vous butez à Vanilla, c'est une représentation de Vanilla dans notre monde. Mais tout le reste est dans le plan élémentaire du feu. Et Ragnaros, si vous allez dans les plans élémentaires du feu, on y reviendra après, bah c'est pareil, il claque des doigts et fini en fait. Lava Wave, vous êtes mort. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bah maintenant que les dieux très anciens sont enfermés à Cataclysme, certes, ils ont un pouvoir de corruption, etc. sur les différentes races, mais ils sont pas libérés, donc ils ne peuvent pas battre les seigneurs élémentaires s'ils arrivent à se libérer. Donc, que vont faire les seigneurs élémentaires? Est-ce qu'ils vont justement, alors qu'on sait dans l'histoire que c'était plutôt des êtres qui ne demandaient de compte à personne, depuis que l'élémentaire de l'esprit, on y reviendra avec Mista Pandaria, a été aspiré, eh bien les quatre se foutent sur la gueule en permanence et font des cataclysmes en permanence à une époque, ils sont libérés, ils pourraient justement essayer de revenir à cette époque-là. Et ils sont, il y a, on va dire, le lien de subordination qui les lie aux dieux très anciens. Alors oui, Deathwing est le pantin des dieux très anciens et peut les plier à leur volonté, mais alors Deathwing versus Ragnaros, on sait pas trop qui gagne, hein, c'est le scénariste qui choisit, parce qu'ils sont de force quasi équivalente et de puissance quasi équivalente. Même si Deathwing prend un gros coup de boost à Cataclysme, ça suffit peut-être pas à vaincre Ragnaros. Et ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir deux seigneurs élémentaires qui vont. Donc Deathwing va convoquer en tant que champion des dieux très anciens, il va convoquer les seigneurs élémentaires. Il y en a deux. Les deux de gauche qui vont dire oui, et les deux de droite qui vont dire rien à foutre, dégage, je ne veux pas participer. Et là, vous vous dites, ok, donc Ragnaros Al'Akir rejoignent Deathwing et servent toujours les dieux très anciens. De l'autre côté, on a Neptulon et Terrazan qui disent fuck à Deathwing et aux dieux très anciens. Et là, j'ai envie de revenir sur certains éléments, mesdames et messieurs. Parce que d'un point de vue cohérence, c'est complètement débile. Alors, je le rappelle, le garde-terre Deathwing. Pourquoi lui il a été corrompu? Parce qu'il était plus proche de la Terre. Donc comme il était plus proche de la Terre, il était près au contact des dieux très anciens, donc il était le plus à même d'être corrompu. Qui dit fuck à Deathwing et aux dieux très anciens? C'est Terrazan. Terrazan, le seigneur élémentaire de la Terre. Alors j'ai dit, bien sûr, faut pas confondre le tréfonds et les tréfonds de la Terre, mais quitte à aller dans cette logique-là, tu fais en sorte que Terrazan soit la résistante, soit justement celle qui rejoint les dieux très anciens, pas la résistante, justement celle qui rejoint les dieux très anciens. Non, non, là elle dit fuck aux dieux très anciens. Quelle autre race est au contact des dieux très anciens et sont des serviteurs des dieux très anciens? Ce sont les Naga. Les Naga, dirigés par la reine Ashara depuis Warcraft 3, on connaît leur existence. Ils servent les dieux très anciens. Donc ils vivent dans l'eau, donc l'élément aquatique. Il y a également un des dieux très anciens qui est enfermé sous l'eau, savoir Nuzhat. Donc, on pourrait se dire que l'élémentaire, le seigneur élémentaire de l'eau, est plus au contact avec un dieu très ancien, il va dire oui. Eh bien non, les deux les plus proches des dieux très anciens disent non. Et ceux qui ont été toujours présentés comme les plus foufous des seigneurs élémentaires, à savoir Ragnaros et Al'Akir, ils disent oui maître, il y a les dieux très anciens, ils sifflent, et eux ils répliquent. Ragnaros, le mec qui veut voir le monde brûler et qui ne répond d'or, enfin ne répond à personne, quoi. Les deux ils disent oui. Le feu et l'air, les trucs, bon, le feu à la limite, ok, mais l'air, qui est le plus éloigné des dieux très anciens, si on prend le schéma de Deathwing. Et surtout, Ragnaros, on connaît sa personnalité maintenant, on sait que le mec, il envoie se faire foutre à tout le monde, il dit non aux invocateurs, il dit non à tout le monde. Pour une fois, il a plus la chaîne des dieux très anciens qui est autour de son cou, et il dit,
Oui papa, oui maman, oui maître, j'obéis et je vais foutre le feu. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est formidable. Mais on y reviendra bien sûr concernant les seigneurs élémentaires par la suite. Alors un point qui est très important, vu justement ce qui a été fait à Cataclysme, pour les nouvelles zones, certaines zones, je ne peux pas bien sûr traiter toutes les zones en détail, et certaines zones sont, on va dire, moins importantes pour l'intrigue, et c'est pour ça par exemple que Uldum et Vajdir, eh bien on va passer, parce que concrètement, ça n'a aucun impact quasiment dans le lore. Le pire étant le pauvre Alakir, qui visuellement est super intéressant, Cataclysme lui a donné un visuel incroyable. Alakir à Cataclysme, qu'est-ce qu'on s'en branle? On s'en fiche. Il est torché et tarplu, on s'en fiche, on le voit pas. Il se fait même, les seigneurs élémentaires du vent, et se font même avoir et se sont foutus en esclavage par les races locales, notamment les Tolvir. Donc t'es en mode, mais en fait ta menace, elle se fait même avoir par d'autres serviteurs de Deathwing, etc. T'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pour le coup, Vajir est une zone très, très intéressante. Mais le problème de Vajir, c'est qu'encore une fois, elle aura. Bah déjà, il y a un raid qui va totalement sauter, qui devait être la gueule des abysses. Elle va totalement sauter parce qu'il y avait trop de choses à faire et du coup, elle va sauter et on l'aura jamais. On n'aura jamais d'informations alors qu'en plus, ça finissait sur un cliffhanger Vajir. Donc, ça finissait sur une fin ouverte et on devait avoir la réponse et on l'aura jamais. Avant Chronicles d'ailleurs, on l'aura jamais. Donc, au final, Vajir et Uldum vont sauter et Uldum, on va y revenir. Puisque Uldum, qui dans l'histoire, dans l'intrigue principale, n'aura pas beaucoup de rôle à jouer, eh bien, on arrive à un point qui gangrène Cataclysme, que j'ai surnommé, enfin qu'on a surnommé avec Eva, la Catatouch. C'est quoi la Catatouch? C'est tout simplement le lilouliloulilouliloulilou, le trollolololo, le JPP, le MDR. La Catatouch, pour vous présenter un peu le concept, c'est tout simplement un travail, comme on l'a dit, Cataclysme représente un travail titanesque, 46 zones encore une fois refaites, forcément, il y a un travail colossal. Quand tu fais un travail colossal comme ça, il y a des priorités qui sont prises. Les Worgen, Gilneas, le nouvel apport, etc. avec la nouvelle zone. On a l'avancée par exemple de la guerre hors d'alliance, etc. Il y a énormément de choses qui sont travaillées. Du coup, bah, il y a des zones qui reçoivent un peu moins d'amour. Et plutôt que de créer, de prendre du temps à réfléchir à des intrigues ficelées, etc. des choses intéressantes qui vont faire avancer le lore de Warcraft, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement du trollolo, du rigolo. Alors qu'on soit clair, le fun a toujours été présent dans les licences Blizzard. Même dans Diablo, il y a toujours le niveau des vaches, le fameux niveau des vaches. On pourrait se dire que ça détruit l'ambiance de Diablo. Pas du tout, c'est un easter egg, c'est caché quelque part. StarCraft, quand vous faites la mission sur Kaldir, la planète de glace, la Heart of the Swarm, mais que vous avez du coup, vous avez Frostmourne et le Roi Lich qui est coincé dans un des trucs, bah c'est un easter egg, c'est coincé quelque part. Et il y a toujours des petits trucs fun, que ce soit avec les Terran qui sont complètement démembrés, avec les citations de Predator en mode si ça peut saigner, on peut le tuer. Mais ça ne desservait pas le récit, c'était des petites blagues quelque part, des petites références glissées à droite à gauche, mais l'intrigue continue, l'histoire principale continue. Le problème avec Cataclysme, c'est que comme on avait un souci de temps et de personnel, eh bien il a fallu avancer très vite. Et je pense honnêtement que je rigole évidemment, mais je pense qu'en final, les employés de chez Blizzard ont dû être payés à regarder des films. Parce que, eh bien, énormément de zones de Cataclysme qui sont refaites vont avoir des blagues qui normalement sont des easter eggs dans les licences Warcraft, dans les licences Diablo, dans les licences Starcraft, vont devenir des quêtes principales, donc l'intrigue entière de certaines zones, voire, on y reviendra après aussi, l'intrigue de ta nouvelle extension, vont être présentes dans l'intrigue principale de ta nouvelle extension. Et là, eh bien, on a cité quelques références parmi les milliers de quêtes qu'il y a tout simplement à Cataclysme, mais nous avons par exemple, bien sûr, Harrison Jones, qui était un easter egg à Cataclysme, va devenir le personnage principal et va prendre quasiment 60% des quêtes d'Uldum, qui est ta nouvelle zone haut niveau, qui est censée montrer la destruction. Je rappelle que Cataclysme, vous avez vu la cinématique, ça rigole pas, c'est la fin des temps. Cataclysme, c'est un synonyme d'Armageddon, de fin des temps, l'heure du crépuscule. Ça rigole pas, Deathwing, il est à deux doigts de détruire le monde, donc il faut l'empêcher. Quand le fun n'est plus caché ou n'est plus dans secondaire, mais prend le pas sur l'intrigue principale, eh bien ça dessert directement. Vous pouvez trouver les quêtes fun, bien sûr, vous pouvez les aimer, vous pouvez les apprécier. Le problème, c'est que ça dessert le récit, ça dessert l'ambiance. Quand c'est caché ou des petites quêtes secondaires, pas de problème. Quand c'est l'intrigue principale de ta zone, ou même les intrigues principales de tes nouvelles zones d'extension, voire présent dans ta quête finale,
bah là c'est pas, tu peux pas prendre au sérieux la menace, tu peux pas prendre au sérieux les menaces d'ailleurs, que ce soit des swings ou les séances élémentaires ou autres. Quand t'as Indiana Jones, parce que Harrison Jones c'est Indiana Jones, hein. Quand t'as Indiana Jones qui en fait fait et avec tous les films d'Indiana Jones, le fouet, il faut aller récupérer, oh attention les pygmées. Et ça c'est quasiment les trois quarts, on va dire plus de la moitié des quêtes d'Uldum, c'est un problème. Alors que t'es censé montrer justement qu'à l'Akir, le seigneur élémentaire, blablabla, blablabla. Au final, à l'Akir, tout le monde s'en branle. Il est beau, mais c'est tout. Donc on a Indiana Jones. On a en plus un gobelin qui représente... On avait le reliquaire avec les adversaires d'Indiana Jones. On a également, du coup, le gobelin dont j'ai oublié le nom, hein, qui est également un adversaire nazi d'Indiana Jones. Super, incroyable. Je suis complètement dans l'immersion dans l'histoire de Cataclysme. On a le gobelin qui prend un remède et qui raconte comment il a battu des swings à main nue. Le gobelin, le gnome, pardon. On a les Wildhammer qui envoient des chaussettes, qui tirent des chaussettes, etc. Avec les gnomes sur des cheveux. Non, c'est les gobelins, pardon, qui tirent des chaussettes, des tire-bouchons, etc. Sur les chevaucheurs de Griffon, qui était quand même l'unité ultime de l'Alliance à Warcraft 2, Warcraft 3. Mais pas de problème. On a évidemment, je sais plus qui, Horatio, des experts à Westfall qui doit trouver un crime avec ses petites lunettes, etc. On a Patrick Swayze, mais on en reparlera de Patrick Swayze, avec la fameuse canonnière de la fin de Cataclysme. On a Fiona avec Legolas et Gimli, les proto-Legolas et Gimli, qui, dans une des zones les plus normalement dramatique de World of Warcraft, que sont les Maltaires de l'Est, eh bien ils vont rigoler en mode oh oh oh, j'en ai tué plein, j'en ai tué plus que toi, etc. Qui est dans une zone qui est censée être extrêmement sérieuse. On a également Rambo, les Carmines, Black Rock, avec un des enjeux principaux des humains, et eh ben on a Rambo qui nous, donc à savoir John G. Kishan, qui nous fait revivre les films Rambo si vous ne les avez jamais vus. C'est tout simplement 95% de la zone des Carmines, mais également les différentes, enfin, et notamment les quêtes de Black Rock avec l'émetteur, etc. Oh là là, le seigneur orc qui menace Hurlevent, eh ben on va lui faire manger de la bouillabaisse pas fraîche, comme ça il va vomir et il va faire caca, prout prout prout. C'est vraiment des vraies quêtes. Je me suis tapé toutes ces quêtes de merde pour préparer cette vidéo. Overdose complète. Et c'est pour ça que les zones mort-vivantes du début sont super importantes pour éviter cette saloperie. Parce que ces zones, ces quêtes, il y en a, mais faites Cataclysme, faites les zones de Cataclysme, il y en a beaucoup trop. Et par exemple, encore une fois, tout ce qui est les références à Mission Impossible, Piège de Cristal, etc., les références filmiques, n'hésitez pas à jouer à ça, hein, dans les commentaires, et à donner toutes les références que vous avez pu trouver. C'est du grand n'importe quoi. Il y a une overdose complète des quêtes principales de zone, voire quête principale d'intrigue, qui sont gangrénées par des références filmiques et pas du tout cachées, hein. C'est vraiment oh là là, enfin je veux dire Harrison Jones quoi. Donc c'est insupportable et ça dessert énormément l'extension, parce que bah, comment tu peux prendre au sérieux Deathwing, comment tu peux prendre au sérieux les Seigneurs élémentaires si il y a caca poète poète sur ta quête principale à Blackrock? C'est quand même un peu dommage. Et on va attaquer la dernière race que je n'ai pas développée, parce que tout simplement, eh bien, leurs aventures, leurs péripéties, on est aussi dans la suite du Catatouch, c'est les gobelins. Les gobelins qui ramènent un petit peu de fun côté Horde. Et eh bien, ils vivent tout simplement des événements tragiques dans l'histoire des gobelins. Mais en fait, si vous faites la zone, hein, je vous invite à créer un gobelin, faire la zone de départ des gobelins. C'est censé être des choses dramatiques, à savoir quasiment le Pompéi, hein, en fait, hein, avec l'éruption d'un volcan qui va détruire l'île natale des gobelins, à savoir Kezan, va tout simplement, et eh bien c'est censé être Pompéi, plus ensuite l'exil dans des embarcations de fortune, avec un cartel tout simplement, qui est le cartel Bifon, hein, ou Bilgewater, tout simplement Gallywix, que vous voyez, qui est un seigneur du crime, en gros un parrain de la pègre gobeline, tout simplement de la mafia gobeline. Ça pourrait être traité très sérieusement, avec l'idée qu'il il met en esclavage carrément une partie de son peuple pour pouvoir assurer son enrichissement personnel. Eh bien, ils vont trouver refuge sur une île, sur les îles perdues. Et sur les îles perdues, bah, pas de bol pour les gobelins, il y a une nouvelle éruption, et ils sont en plus attaqués par l'Alliance, hein. Cette fois c'est l'Alliance qui attaque. Pour ceux qui disent oui, la Horde est toujours à l'initiative des attaques Cataclysme, l'Alliance aura beaucoup, 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 beaucoup de choses à se faire pardonner, parce que Varian c'est pas un petit rigolo, et il attaque à vue la Horde, et notamment eh bien, là, les navires gobelins qui étaient encore neutres à ce moment-là, ils ont pas rejoint la Horde, ils vont se faire couler, parce que no witnesses, hein, pas de prisonniers, et pas de témoins, en fait l'Alliance attaque et veut couler le bateau de Thrall pour tuer Thrall, gratuitement, et au final eh bien, les gobelins qui arrivent à ce moment là ils se font tous défoncer par l'Alliance. Les naufragés du coup eh bien, vont sur les îles perdues. Sur les îles perdues il y a une nouvelle éruption de volcan, pas de bol,
Ils doivent refuir et c'est là que les gobelins vont se libérer du joug de Gallywix. Mais finalement, Gallywix reste à la tête des gobelins locaux. Et finalement, eh bien, Thrall va dire à Gallywix, tu amènes ton peuple en Kalimdor et tu vas rejoindre la Horde et tu feras pas de bêtises, on t'aura à l'œil. Donc c'est comme ça que les gobelins rejoignent tout simplement la Horde. Gallywix va faire prospérer ses affaires et va continuer un petit peu à mettre en esclavage une partie de son peuple, mais il va les payer, donc c'est pas tout à fait un esclavage, mais les conditions sont quasiment les mêmes. Et c'est jamais traité sérieusement en fait, c'est jamais traité sérieusement. Ce que je viens de vous dire, c'est quand même dramatique sur le papier, mais faites-le et vous verrez à quel point c'est traité sérieusement. C'est... Il y a 2-3 petits moments où on se dit « Ah !» Eh ben non. Eh ben non. Donc ça, c'est les gobelins. Et les gobelins vont trouver refuge à Ash-Shara, qui vont refaçonner, ils vont gobliniser, ils vont terraformer pour tout simplement eh bien, créer les nouvelles zones goblines qui sont à Ash-Shara, donc les zones de niveau 10 à 20, quelque chose comme ça. On a maintenant, dans les grandes nouvelles zones, on a parlé du Tréfonds, il y a une autre zone qui concerne Ragnaros, hein, je vous avais dit qu'on y reviendrait, c'est Ijal. Ijal, alors ce qui est assez intéressant dans les nouvelles zones que je vous ai présentées, que ce soit Uldum, Ijal, Gilneas, c'est des zones qui en fait étaient teasées dès Vanilla. Quand je vous parle du recyclage, ou en tout cas d'avancer de Vanilla, de reprendre un petit peu ce qui avait été fait et pas fait à Vanilla, bah on y va. Ijal, c'est tout simplement une zone qui à Vanilla, vous pouviez passer, comme je l'ai dit un petit peu avant, vous pouviez trouver Ijal avec le squelette d'Archimonde, etc. Uldum, c'est pareil, et bien en fait on récupère ces zones-là qui avaient un petit peu fait fantasmer les joueurs. Et enfin on y va et on découvre. Alors c'est parfois justifié d'ailleurs par le cataclysme, le mur de Greymane, le mur de Gristet qui tombe, les portes d'Uldum qui tombent, qui permet l'accès justement à la zone. Pour Ijal pour le coup, bah, pas vraiment, c'est juste qu'on peut enfin y aller. Et ce qui est fait à Ijal, c'est tout simplement que Ragnaros eh bien, va sortir, va être invoqué par Deathwing sur place. Et son job, eh bien, c'est de détruire l'arbre monde. Ça doit vous faire... Une divinité qui peut lâcher une pluie de flammes sur les adversaires et qui veut détruire l'arbre monde, ça c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ce serait pas Warcraft 3. Et au final, eh bien, on va avoir justement l'ascension d'Ijal par les élémentaires de feu Ragnaros qui veulent cramer l'arbre monde pour détruire tout ça. Alors, la nouvelle zone aura beaucoup d'importance dans l'intrigue, bien entendu, puisqu'il y aura carrément un raid qui lui sera consacré. Et Ijal, donc comme je l'ai dit, c'était Tis depuis Vanilla, et c'est le lieu où Ragnaros va tout simplement eh bien, affronter le monde, on va dire, affronter les défenseurs du monde, notamment le cercle terrestre et c'est le cercle scénarien. Bon, je sais plus, enfin, en gros, les druides et les chamans. Là, je m'embrouille, mais comprenez-moi, ça fait un moment de vidéo. Et ce qui est assez intéressant, encore une fois, dans le Catatouch, on essaye de nous dire sérieusement, et je déconne pas, hein, vraiment sérieusement, encore une fois, le tréfonds, le fameux tréfonds qui est sous terre, mais pas vraiment, puisque c'est un plan élémentaire, eh bien en fait, les armées de Ragnaros, les armées Blackrock, donc les armées du Mont Roche Noir, puisque Ragnaros était au Mont Roche Noir, eh bien créent une connexion, créent un pont entre Ijal et Blackrock. Et on nous dit dans les quêtes qu'en fait, les petits gars du Marteau des Crépuscules, et les serviteurs de Ragnaros, donc notamment aussi des nains Dark Iron, donc Sombre Fer, qui restent, une partie reste fidèle à Ragnaros, eh bien ils ont creusé, avec leurs petites papates et leurs petites pioches, etc., et d'autres engins incroyables, ils ont creusé. Alors ils auraient pu dire, portail magique, tu passes, on y jale, pas de problème, je veux dire, les plans élémentaires et les portails, on connaît depuis un moment, mais non, ils ont creusé un tunnel de Blackrock, donc Royaume de l'Est, jusqu'à Ijal. Ils ont fait un tunnel souterrain de milliers de kilomètres pour permettre aux armées de Ragnaros, certaines des armées mortelles de Ragnaros, d'y aller. C'est fantastique. C'est incroyable. Et en passant notamment par le tréfonds. Par les tréfonds, bien du coup. Le tréfonds, le plan élémentaire de la Terre, où on voit aussi le marteau du crépuscule, tout ça. C'est fantastique. Et... Continuons les réjouissances avec Wrath of the Lich King qui nous a légué 2-3 petits cadeaux évidemment pour Cataclysme, notamment quelque chose, donc dans l'avancée des assauts des seigneurs de feu, des seigneurs des flammes contre le mont Ijal et les défenseurs, les protecteurs du mont Ijal, eh bien nous avons deux cadeaux qui retconne d'ailleurs le passé, hein, c'était Wrath of the Lich King, deux cadeaux qui vont être réutilisés à Cataclysme, mais c'est pas Cataclysme du coup qui retconne, mais c'est Wotelka qui avait commencé à ce niveau là, avec le petit ourson Ursoc, hein, qui maintenant est templeré par les joueurs, Ursoc qui au final était ressuscité à Wotelka, parce que Ursoc, vous l'avez tout le temps connu, hein, étant mort, mais en fait il est mort, il est ressuscité, il remeurt,
Donc peut-être qu'il faudrait le laisser crever et se dire qu'en fait, bah, à la base, c'était déjà une connerie de le ressusciter une première fois. Ursoc avait été ressuscité à Wotelka. Alors pour le coup, à Wotelka, c'était quand même assez justifié. Il y avait des problèmes déjà, parce que le principe, c'est qu'il est ressuscité sous forme de zombie, sous forme de mort-vivant. Mais comment ils ont trouvé le corps, tout ça, bon voilà, c'est ta gueule, c'est magique. Mais le problème, c'est que ça a donné des idées aux scénaristes qui se sont dit, attends, on a ramené un des dieux sauvages, Ursoc, à Cataclysme. Là, je rappelle les restes de masse de Wasoji King, et bien là ils se sont dit, banco, on va ramener tous les dieux sauvages. Avianna, morte pendant la guerre des anciens, de retour. Ursol, Ursoc, bon pour le coup, eux ils sont pas là à Cataclysme, mais on a quoi, Goldrin, le loup qui avait été tué à Cataclysme, l'esprit du loup qui avait été tué pardon, pendant la guerre des anciens, de retour. Ils reviennent tous, Malorn, revenu, allez hop, c'est parti, l'esprit des biches, tout le monde revient, tout le monde revient, et notamment un, alors lui pour le coup il était pas mort pendant la guerre des anciens, mais il était présent dans la guerre des anciens, c'est Cenarius. Et Cenarius, bah, il avait été tué par Grommelskrim, un grand mur l'enfer, à Warcraft 3, et ben on va le ramener, hein? On ramène tous les dieux sauvages, on va ramener évidemment notre cher Cenarius. Et c'est comme ça que tu ramènes tous les dieux sauvages qui sont censés être morts et qui étaient quand même quelque chose d'important. Parce que si Cenarius est là, Malfurion il sert un peu à rien. Hein. Cenarius est plus puissant que Malfurion à la base. Bon, Malfurion est plus power up, tout ça. Mais là, eh bien, Cenarius qui revient, pas de problème, reste de masse. Hein. La boîte de Pandore a été ouverte jusqu'au bout. Et il y a un autre point que Warsaw King a amené à Cataclysme, c'est tout simplement la corruption des Arbres-Mondes. Si vous ne le savez pas, alors j'avais passé ça parce que ça avait pas de rôle dans l'intrigue de Warsaw King, mais du coup, bah, ça a un rôle dans Cataclysme. Les Arbres-Mondes, donc Nordrassil, le mont Ijal, Teldrassil, l'Arbre-Monde de départ des Elfes de la Nuit, qui d'ailleurs n'a à peine 15 ans, hein, même pas, il est tout, même moins de 10 ans d'ailleurs, moins de 10 ans le Teldrassil d'un point de vue histoire. On a Vordrassil, je vais vous passer tous les trucs, mais on a Vordrassil. Vordrassil, c'est l'espèce de gigantesque bûche que vous avez dans les Grisons, hein, la meilleure zone bien sûr de Wotelka. Les Grisons, avec la grosse bûche qui est arrachée. En fait, ça c'était un arbre-monde qui a été coupé parce que justement, le truc c'était un peu con, ils l'ont construit, enfin ils l'ont planté au-dessus de la prison de Yogg-Saron. Et le problème, bah, c'est que du coup, Yogg-Saron, hein, c'est un dieu très ancien, il a corrompu l'arbre, et du coup, il a fallu l'abattre, parce que sinon, eh bien, il aurait pu corrompre tout le rêve d'Émeraude, l'endroit où il y a les druides. Les druides, les esprits sauvages, etc., Izera, tout ça. Tout ce qui est la nature. Le plan de la nature, le plan, on va dire, de la nature d'Azeroth. Donc, le problème, c'est que même s'ils ont coupé l'arbre, eh bien, il y aura toujours une balafre dans le rêve d'Émeraude qui permet aux dieux très anciens de rentrer, en fait, pour essayer de corrompre ce qu'on appelle le rêve d'Émeraude, donc ce qui va s'appeler le cauchemar d'Émeraude, à l'origine du bouquin pré-cataclysme. Et le truc, c'est que du coup, ils se sont dit, Teldrassil, eh bien, c'est un arbre-monde qui n'a pas été béni par les aspects, par les dragons, comme c'est le cas pour l'arbre du mont Ijal, Nordrassil. Et du coup, eh bien, on va faire la même. Teldrassil qui... Vanilla, je vous laisse jouer à WoW classique, vous faites un elfe de la nuit, on vous dit quoi? On vous dit qu'en fait la corruption de Teldrassil, c'est les démons hein, à Vanilla. Eh bien à Cataclysme, grâce à Wassailich King qui avait commencé ça, eh bien, on reprend le délire en disant bah en fait, c'est pas les démons, c'est les dieux très anciens. Donc en fait Teldrassil est attaqué par les dieux très anciens. Et ça c'est incroyable. Parce que du coup, eh bien, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Eh bien parce qu'en fait. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur le lore des Elfes de la Nuit. Eh bien, on a le grand traître qui était le remplaçant de Malfurion, Fandral. Fandral qui était devenu l'apprenti dans le cauchemar d'Émeraude, qui était devenu l'apprenti de Xavius. Xavius, ça vous dit peut-être rien. C'était le bras droit d'Ashara, qui est devenu le premier satyre, qui servait les dieux très pardon, qui servait les démons. Et une fois que les démons étaient vaincus, Ashara est devenu des nagas avec les autres, et lui, il est devenu un satyre avec d'autres satyres. Et bah, il restera comme il était sous forme naturelle, et bah, il aura sa place dans le rêve d'Émeraude. Et il va corrompre petit à petit le rêve d'Émeraude. Ce qui fait que Fandral va devenir un apprenti de Xavius, Fandral va participer à la corruption du rêve d'Émeraude, et bien il va servir les dieux très anciens, et en l'occurrence, ça fait le lien. Pourquoi il y a Ragnaros à Ijal? C'est en gros Fandral qui a aussi aidé à ce que les élémentaires de feu viennent là. Fandral va devenir le premier druide de la flamme, à savoir un druide du feu, tout simplement un druide du feu. Ah pour ceux qui se disent, mais c'est n'importe quoi, c'est des chamans. Ça, pour le coup, il n'y a pas de problème. Je veux dire, même Malfion, parfois, est appelé chaman dans certains livres, qui sont récents, hein, pour le coup, on pourrait dire que c'est des vieux livres. Non, non, c'est assez récent. Dans Cœur de Loup, par exemple, il est appelé chaman, Malfion, certaines occasions. Parce que bah, le chamanisme et le druidisme, c'est assez proche. Je vais pas tout détailler là-dedans, peut-être qu'un jour, ça sera une vidéo dessus. Mais y a pas, en soi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, il devient druide de la flamme, Fandral. Fandral, forte ramure, qui est le lien entre Elfe de la Nuit et au départ Ragnaros, qui n'a rien à voir avec les Elfes de la Nuit, et eh bien c'est Fandral.
et les dieux très anciens. Donc les dieux très anciens à partir de Cataclysme, hein, vous êtes tombé de vélo, c'est la faute des dieux très anciens. On y va à fond, hein, Cataclysme à ce moment-là. Donc, comme je l'ai dit, il va être à l'origine, on va dire, un des points importants qui amène la destruction du mont Ijal et des forêts d'Ashenvale, d'Orneval par les élémentaires de feu. Finalement, l'union des aventuriers, les fameux aventuriers, plus Scénarius, Malfurion et Dieu Sauvage, va permettre de repousser les élémentaires de feu et renvoyer les élémentaires de feu tout simplement dans le plan élémentaire du feu, à savoir les terres de feu. On y reviendra puisque Ragnaros lui-même sera vaincu une première fois par les esprits sauvages, donc dans les quêtes, hein, vous y allez, et il n'est pas vaincu au mont Ijal, Ragnaros. On va aller carrément le battre dans les terres de feu, une première fois dans le Pexing, donc dans les zones de quête. Donc, ta menace, Ragnaros, est vaincu une première fois par les dieux sauvages qui vont chez lui et lui cassent la gueule. Je le rappelle, je vous ai parlé des plans élémentaires, c'était pas pour rien. Pour vous dire que Ragnaros, quand il est chez lui, il est au plein potentiel, il a tout son pouvoir. Donc il fait ça, les dieux sauvages, c'est barbecue, c'est cramé, et qui veut une biche qui veut une brochette de biche? Ouais, Malorn, il est très bon, succulent, hein, tu le veux bleu? c'est un peu ça, mais en fait non, il se fait battre, pas de problème. Et on y reviendra après, parce que il a été vaincu une fois, mais c'est pas terminé. Pendant ce temps, une des nouvelles zones au niveau de World of Warcraft Cataclysme. Alors, pour le coup, comme je l'ai dit, un Cataclysme, ça part dans tous les sens, et du coup, il y a l'intrigue ficelée de A à Z, c'est pas vraiment ça, hein, ça part dans tous les sens. J'essaye de faire un ordre assez logique, mais c'est dur. Et comme vous l'entendez avec cette musique assez primaire de la Horde, assez sauvage, eh bien, on a le chef de guerre de la Horde, Grom, non, le fils de Grom évidemment, Garrosh sur l'enfer, Garrosh Hellscream, qui mène les offensives de la Horde, notamment dans les royaumes de l'Est, et il va directement participer à l'assaut sur les terres, les hautes terres du crépuscule, et il va faire un peu de diplomatie pour une fois, Garrosh, hein, lui qui fait parler les poings et le muscle, eh bien il va faire un peu de diplomatie ici, puisqu'il va rencontrer un clan orc qui est resté depuis la deuxième guerre ici, qui est le clan Dragon Maul, gueule de dragon, hein, le clan Dragon Maul, et il va essayer de faire en sorte de. Il va tout simplement essayer de faire en sorte que les Dragon Maul rejoignent la Horde. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura la généalogie sur les orques, et on parlera de la couleur de peau. Les Dragon Maul à la peau blanche, pas de problème. On en reparlera dans la généalogie sur les orques, évidemment. Ah oui, il y a pas mal d'incohérences avec Cataclysme, c'est un problème aussi. Mais il y a des très bonnes choses, j'y reviendrai après. L'Alliance, du coup, va rallier aussi les derniers clans Wildhammer, et ça, pour le coup, c'est une excellente réponse. Alors, là, je vous laisse aller voir la généalogie sur les nains, je vais pas vous embrouiller, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses avec Cataclysme, mais c'est un point très intéressant, pour le coup. Les Hauteurs du Crépuscule, c'est une des meilleures zones de Cataclysme, en dehors, bien sûr, de la peau blanche des Dragon Maw. Eh bien, l'ensemble est plutôt bien ficelé, on a essayé de revenir sur 2-3 trucs de Burning Crusade pour les orques, mais c'est surtout côté Alliance où c'est assez bien fait, avec l'intégration des Wildhammer, donc des Marteaux Hardis qui étaient présents dans cette zone, dans les Hauteurs du Crépuscule, où en fait les tribus Wildhammer vont toutes se rassembler, et c'est notamment Kurdran qui va avoir un rôle important. Kurdran, l'un des chefs Wildhammer, qui était parti en exil, je vous l'ai dit précédemment, en exil, il est pas en exil, mais en gros il est parti, et il va justement participer au rassemblement des Wildhammer. Donc ça c'est assez intéressant, et l'Alliance du coup va récupérer les derniers clans Wildhammer, avec Kurdran en tête de file, et ils vont tous lutter contre le Twilight Hammer, donc le Marteau du Crépuscule, et il va y avoir également ça va être un des fronts de guerre entre la Horde et l'Alliance, bien sûr, à Cataclysme. Garrosh, hein, Dragon Maw, c'est pour se foutre sur la gueule avec les locaux, les Wildhammer. Également dans les Hauteurs du Crépuscule, on a un arc très important, c'est près de Grim Battle, et Grim Battle, on va en reparler, c'est Alexstrasza qui va lutter directement contre Deathwing, l'aspect de la vie, la lieuse de vie, la reine des dragons, hein, le vol rouge contre le vol noir. Alexstrasza va affronter Deathwing sur place. Et comme je l'ai déjà dit, il y a eu tellement de boulot pour les scénaristes comme pour les designers, eh bien, les scénaristes, et ça maintenant c'est des choses qui n'arrivent quasiment plus actuellement sur WoW, c'est qu'à l'époque, les scénaristes travaillaient tellement sur plein de choses en même temps qu'il y a eu des incohérences sur certaines zones entre ce qui est dit dans une zone et une autre. Vidéo sur Garrosh aussi pour les serres rocheuses, mais eh bien, il y a eu un problème sur les Hauteurs du Crépuscule assez similaire, c'est-à-dire qu'en fait, Hauteurs du Crépuscule, ils voulaient faire un arc autour de Crassus Corialstras, qui est l'amant, en fait, qui est l'amour, tout simplement, d'Alexstrasza, qui est son consort. Et en fait, eh bien, ils se sont dit, mais attendez, ça marche pas, Crassus, il est mort. Quoi? Comment ça, Crassus, il est mort? Eh oui, Crassus, il est mort dans un des livres transition entre Wotelka et Kata. Et c'est pour ça qu'il y avait sa tête dans le safari de Wotelka. Et là, on est en mode, attends, et vous avez tué Crassus. Merde, on avait pensé toute une histoire pour Crassus, comment on fait? Eh ben en fait, on va créer un personnage qui s'appelle Kalen, qui est un personnage fonction, qui est...
Crassus en moins bien, en inintéressant qu'on connaît pas, mais il va avoir des interactions avec Alexstrasza qui se rappellent énormément, bien sûr, Crassus ou Coriolastraz. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, pour ceux qui n'ont pas lu le Jour du Dragon et la Nuit du Dragon, c'est vrai que c'est probablement des intrigues intéressantes. Moi, j'ai lu le Jour du Dragon et la Nuit du Dragon, et du coup, je sais qu'en fait, ils ont récupéré les arcs scénaristiques de ces deux livres, qui sont très bons d'ailleurs, hein. Même la Nuit du Dragon, moins bien que le Jour du Dragon, mais il est pas mal, hein. Pour du WoW, c'est vraiment très très intéressant. Et au final, eh bien, ils vont reprendre les arcs principaux de ces zones, de ces deux bouquins, pour le mettre dans la zone en fait. Et donc, il va y avoir la lutte évidemment entre Alexstrasza et Deathwing, et la mort en gros de Crassus, enfin du faux Crassus qui est Kalen, à Grim Battle. Donc tout est lié à Grim Battle, qui est, en généalogie sur les nains, l'ancienne cité des Wildhammer, qui a été maudit par les Sombres Fers, les Dark Iron. Donc c'est devenu une zone abandonnée qui a servi de lieu de ponte pendant la deuxième guerre Warcraft 2, où les Dragonmaw avaient asservi le Dragon Rouge, notamment Alexstrasza, pour la forcer à pondre, servir des enfants, des dragonnés pour pouvoir les monter et attaquer l'Alliance, etc. Donc c'est une zone chargée d'histoire, Grim Battle, et c'était justement, ça va finir, ça va aboutir à l'affrontement direct entre Alexstrasza et Deathwing. Le pour du Cataclysme, honnêtement, c'est propre, enfin c'est assez propre, ça a mal vieilli, mais c'est quand même assez propre. Et au final, eh bien, vous voyez un duel entre Alexstrasza et Deathwing. Et cette fois, Alexstrasza est toute seule. Hein. Elle avait réussi à battre Deathwing la dernière fois, mais avec les autres aspects. Donc Nosdormu, Maligos et Ysera, sa sœur. Deathwing, cette fois, est en 1v1 contre Alexstrasza. J'en ai déjà un peu parlé, mais Deathwing est censé avoir été encore une fois renforcé par les dieux très anciens, notamment Nuzzat. Bon, c'était pas dit à Kata, mais c'est dit posteriori par Chronicles. Mais de base, il avait été encore une fois renforcé par le pouvoir des dieux très anciens. Ça, c'est dit dans les quêtes. Bah, Alexstrasza va réussir à le 1v1. Va réussir à le battre. Alors le truc, c'est que ce duel... Alors d'ailleurs, Kalen devait mourir, donc le proto-Crassus devait mourir, mais finalement il est pas mort, on va le revoir après, mais il se fait souffler la tronche par Deathwing, tout le monde pense qu'il est mort, et en fait il va revenir après, comme un cheveu sous la soupe, dans un des donjons, dans le raid d'ailleurs, bon, on y reviendra après, mais juste après d'ailleurs. Mais au final, eh bien, Alexstrasza va réussir à battre Deathwing. Deathwing ne sera pas battu définitivement, mais il est blessé par Alexstrasza et va devoir s'en aller. Le truc, c'est qu'Alexstrasza aussi va être gravement blessé dans ce duel, hein. Les deux vont s'infliger de profondes blessures, et Alexstrasza va devoir battre en retraite, mais elle a battu Deathwing sur le moment, c'est juste qu'il va être de nouveau renforcé par les dieux très anciens, et ben là, Alexstrasza pourra rien faire et s'en va. Donc, c'est assez... Quand tu veux vendre un champion, on va dire, aussi puissant que Deathwing, qui a été encore renforcé, parce que toujours plus, la dernière fois qu'il s'est fait battre, c'était par... les quatre autres aspects unis, là il n'y en a qu'un seul, ça la fout mal quand même. Mais pendant ce temps aussi, sur les hauteurs du crépuscule, on a le bastion du crépuscule. Je vous avais dit que j'en reparlerai, on y vient, le bastion du crépuscule, on reverra le petit Kalen d'ailleurs, qui était censé être mort mais revient. Le bastion du crépuscule qui sera l'un des premiers raids, du coup, enfin le premier raid d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de Cataclysme, et bien avec pas mal de donjons autres. Eh bien, le bastion du crépuscule, c'était en fait, ça c'est assez intéressant, comme il y a eu peu de créations de nouveaux lieux en fait à Cataclysme, ils se sont dit il faut qu'on mette nos méchants dans un endroit unique, et au lieu de récupérer Grim Battle et d'en faire la forteresse du mal, on va dire forteresse des ennemis, des méchants, qui était vraiment pour Grim Battle, Grim Battle était le lieu parfait pour ça, en plus chargé d'histoire et autres, ils se sont dit eh ben, à côté de Grim Battle on va créer un truc qui sort de nulle part, le bastion du crépuscule. Et ce bastion du crépuscule, qui est une structure assez grande, encore plus grande que Grim Battle et tout, bah en fait, je rappelle que Cataclysme se passe en 2 ans. C'est cool sur 2 ans. Et Deathwing, il sort à peu près quelques mois après le départ de Cataclysme. Donc, en gros, un peu moins de 2 ans pour Deathwing. Donc, le bastion du crépuscule, bah, il est sorti de terre comme ça en mode d'un coup. Et ce bastion du crépuscule, bah, il remplace poste pour poste Grim Battle. Hein. Comme quoi, il n'y a pas que des personnages, il y a aussi des lieux qui sont copiés-collés. Et avec les Marcus Jonathan, des lieux, hein, le bastion du crépuscule, c'est une mauvaise Grim Battle en fait, tout simplement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, c'est l'arc de Grim Battle. Shogal qui représente la Horde, qui a le Twilight Hammer présent, qui essaye de conquérir les différentes terres, etc., affronter les nains, etc. Ah, c'est l'arc de la Horde à Warcraft 2. Et on a aussi Sinestra, quand je vous parlais de la Nuit des Dragons. Alors Sinestra, qui est-elle? Encore un nom, désolé, il y a beaucoup de noms aussi sur cette vidéo. Sinestra, c'est tout simplement l'amante, en gros le consort, donc la femme de Deathwing, d'Eldemort. Et Sinestra, le problème, c'est qu'elle est morte dans la Nuit des Dragons. Et elle est pas morte, genre tuée par une flèche, un carreau, elle tombe et on va la ressusciter. Non, 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 non.
Si vous avez déjà vu la vidéo de Legacy of the Void, l'intro de Legacy of the Void, vous savez, le moment où l'archonte chope l'ultralisque est réduit à l'état de détruit à l'état de matière au niveau atomique, il n'y a plus rien. Bah en fait, c'est ce qui s'est passé pour Sinestra. C'est-à-dire que Sinestra, elle récupère des morceaux de l'âme des dragons, on y reviendra aussi pour l'âme des dragons, qui est une relique extrêmement puissante. Elle a créé ce qu'on appelle le vol du crépuscule, qui sont des nouveaux dragons en fait du crépuscule, je vous passe les détails. Et en gros, elle devient la mère, parce qu'elle essaye même de... Au départ, elle n'est pas du tout pro Deathwing, elle est contre Deathwing même. Elle veut faire son propre truc dans son coin et de conquérir le monde avec son propre vol, en étant la mère d'une nouvelle couvée. Et Sinestra va se faire battre en gros par son propre fils, sa propre création, qui s'appelle Dargonax. Et en fait, il y a donc les fragments de l'âme du dragon qui avaient été détruits pendant le jour du dragon. Elle se sert de ça pour créer son vol, son nouveau vol. Et en gros, il y a le duel Dargonax versus Sinestra avec l'âme dragon. Et en gros, l'âme dragon va exploser sur lui-même avec l'intervention de Ronin et d'autres, d'ailleurs de Crassus aussi, de Crassus, dans la nuit dragon qui se passe avant War of the Lich King. Et Sinestra va être détruite au niveau atomique. Va être détruite, il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien quoi. Mais apparemment, le scénario de Cataclysme va réussir à ressusciter le personnage. Et allez voir hein, le codex en jeu, hein, expliquer comment elle revient, c'est... Oh, c'est de la magie noire, hein. C'est de la magie noire et on l'a ressuscité. Mais comment tu la ressuscites? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, même pas de matière, il n'y a plus rien. À la limite, ce serait une forme spectrale de dragon. Mais même pas, c'est un truc de matière en mode on a récupéré le corps et blablabla. Donc apparemment, le Twilight Hammer, hein, le marteau du crépuscule, a un super aspirateur Dyson pour pouvoir le ressusciter. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que Sinestra qui va ressusciter, il y aura, comme je l'ai dit, beaucoup de restes de masse. Hein. Wotelka a commencé le Résurrection de Masse, Cataclysme va continuer, et on va ramener toutes les menaces de Vanilla, donc Ragnaros, tout ça, mais c'est pas fini, puisqu'on va ramener Onyxia et Nefarian, les dragons très importants de Vanilla. D'ailleurs, beaucoup de joueurs, certains joueurs à Cataclysme, quand ils ont vu la cinématique, se sont dit « Ah bah tiens, il a changé Nefarian !» Parce que Deathwing, connaissait pas Warcraft 3, Deathwing, on en parle un petit peu, mais très peu. Et Vanilla, on te dit, oui, c'est la progéniture d'Eldemort, Deathwing, mais les joueurs ne l'avaient jamais vu. Pour ceux qui ont commencé WoW, ils ne l'avaient jamais vu. Donc beaucoup ont même cru que c'était Onyxia ou Nefarian quand ils ont vu Cataclysme. Et, eh bien, Nefarian et Onyxia reviennent à Cataclysme. Ils ont été ressuscités. Alors là, pour le coup, on voit, moi, ça passe pour là, bon, c'est la nécromancie, c'est pas censé être les dieux très anciens, mais bon, ils sont capables de le faire. Hein, c'est la, ta gueule, c'est la magie noire, cette fois. Et on a, eh bien, mais bon, pour le coup, ça passe. Moi, je l'accepte. Pour Onyxia et Nefarian, je l'accepte, ça peut, pourquoi pas. Et au final, ils reviennent sous forme de dragons zombies, en gros, donc ça passe aussi. Et ils vont pareillement revenir et repartir aussitôt qu'ils sont arrivés. Qui sont, je rappelle, les enfants de Sinestra. Et Sinestra, du coup, va tuer Kalen, le Crassus, dans la dernière partie du raid du Bastion du Crépuscule. Ensuite, nous avons justement une avancée. Alors, Cataclysme, on l'a dit... recycle, mais fait aussi avancer une partie de l'histoire, notamment au niveau des dragons, hein, je l'ai dit au niveau des races, mais aussi au niveau des dragons, il va y avoir de grandes avancées. Par exemple, la création d'Irion, qui est pour le coup une des très bonnes choses que Cataclysme amène, la naissance d'Irion, à savoir le seul dragon noir qui n'est pas corrompu par les dieux très anciens. En gros, hein, je vous passe les détails, vous allez tout simplement, eh bien... grâce aux artefacts titans, etc., on va réussir, nettoyer les dragons noirs, c'est trop tard, mais on va prendre un œuf de dragon noir et avant, dans l'embryon de cet œuf de dragon noir, il est censé plus y avoir beaucoup de dragons, mais bon, ça existe depuis Vanilla et apparemment ils se sont reproduits comme des petits pains alors que c'était le problème des dragons avant World of Warcraft. Mais à Cataclysme, eh bien, en gros, un œuf de dragon noir va être lavé, va être nettoyé, va être purifié et bah, par notamment le dragon, par une dragonne rouge, et au final, Irion va naître. Purifié de toute corruption du vol noir. Donc en gros, Irion est un dragonnet noir qui va magiquement être... Et pour le coup, là, la magie, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est du ta gueule, c'est magique, mais en vrai, ça passe. Hein. On n'a jamais eu de cas précédent qui nous dit l'inverse, donc pourquoi pas. Et en gros, il va être, grâce à, on va dire, aux artefacts titans, et bien, on va accélérer sa croissance. La dernière fois qu'il y a eu une... Au final, et bien, il est purifié. Après, Irion, c'est le fils de Deathwing, hein, donc il a pris de papa un peu. Et ce qui est assez intéressant avec Irion, c'est que c'est aussi un peu comme Bane pour Cairn, ça va être le Deathwing, ça va être le fils de Deathwing, et du coup ça va être le gentil Deathwing, c'est un peu le Neltharion, Irion. Et Irion, du coup, et bah, parfois il va faire des choses pas très très nettes et pas très sympathiques, mais malgré tout, Irion, il se bat pour le bien d'Azeroth. Et bon, je vous laisse aller faire,
On y reviendra et dans les commentaires, enfin dans la description, il y aura les vidéos justement sur les crocs du père. Vous voyez les cinématiques concernant Irion. Irion a un rôle très important à jouer dans les futures extensions. Même quand vous le voyez pas, il aura un rôle très important dans ces extensions aussi. Donc Irion, c'est un personnage créé à Cataclysme et honnêtement assez intéressant qui fait vraiment avancer l'histoire. On a également tout à droite Caligos. Alors j'ai fait une vidéo sur Caligos, donc j'avancerai plus vite. Irion aura probablement un jour une vidéo aussi sur lui. Mais Caligos, j'ai déjà fait une vidéo dessus, comme quoi je l'appelle le grand remplaçant Caligos. Et pourtant j'adore Caligos, donc c'est pas péjoratif, mais c'est que il remplace tout le monde quasiment. Il remplace Maligos poste pour poste. Et d'ailleurs dans les arcs de Cataclysme, il va devenir l'aspect du vol bleu. Alors comment il le devient, ça pour le coup c'est du gros ta gueule c'est magique qui passe beaucoup moins à mes yeux. Mais il va remplacer Maligos poste pour poste. Et il remplace également Crassus qui est mort, hein, Coriolstras. Il va le remplacer en tant que mage du Kirin Tor, donc de Dalaran, la cité magique. Vous savez celle qui flotte, hein. C'est rigolo, merci Ursulish King. Et au milieu, du coup, donc là les deux personnages, et pour le coup je dis ça, mais Caligos honnêtement, à Cataclysme, en dehors du fait qu'il passe en aspect, le reste c'est quand même super bien travaillé, assez intéressant. On le voit apparaître notamment à Ashara, il est assez sympa aussi cette quête. Et au milieu, nous avons tout simplement, nous avons Chromatus. Chromatus qui est une création chimérique en fait, qui est en gros l'ultra dragon, qui est un assemblage des différents dragons. Et en fait c'est une des expériences que Nefarian et Onyxia avaient menées à Vanilla, hein, World of Warcraft de départ. Et en gros c'est l'aboutissement de ces recherches qui a été prolongé par Deathwing et Sinestra d'ailleurs, mais bon c'est plus Deathwing parce que Sinestra elle a fait le vol du crépuscule, et en gros Deathwing lui s'est occupé avec Nefarian de Chromatus. Et Chromatus, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un personnage donc qui est une espèce de d'hydre draconique. Mais le problème, c'est que son modèle est tellement compliqué, bah, il n'a pas pu intervenir à Cataclysme. Mais il est dans le lore de Cataclysme. Donc, c'est tout le... Donc... Et d'ailleurs, canoniquement, il n'est pas mort. Donc, peut-être qu'un jour, avec une extension sur les continents, les îles draconiques, l'archipel des dragons, eh bien, peut-être qu'on pourra enfin avoir les moyens techniques pour créer un Chromatus. Ça pourrait être assez sympa. Un personnage qui fait souvent rêver les joueurs, d'ailleurs, Chromatus. Et il sera remplacé en jeu par un dragon du vol du crépuscule qui est censé avoir été éteint aujourd'hui dans la nuit de dragon. Ça sera Ultraction. Le Dragonax-like que j'ai évoqué avant, bah, s'appelle Ultraction. Et là, vous voyez encore un peu le cataclysme. Ultraction. Le dragon ultra qui fait la menace terrible, etc. C'est vraiment... Là, on n'est pas dans la meilleure des écritures. Et d'ailleurs, Ultraction se fera détruire très rapidement, mais on y reviendra après. Commence le raid 4.1, enfin l'arrivée du patch 4.1 avec tout simplement la menace des Andalari. Alors pour le coup, la menace des Andalari, c'est vrai que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est mieux amené qu'à Burning Crusade, parce que bon, Zulaman à Burning Crusade est en mode, mais attends, mais on vient de battre Illidan, et quoi, tu nous dis quoi? Il y a la Légion Ardente toujours qui menace, mais et quoi? Il faut retourner à Zulaman parce qu'il y a un Born qui pète un plomb, Jean-Marie Jean Jean qui gueule comme quoi... Amani au secours! Ok, bah on va y aller. Burning Crusade, pour le coup, c'était très mal géré. Cataclysme le gère plutôt bien. C'est-à-dire que les trolls profitent du cataclysme pour essayer de se rassembler et récupérer leur héritage perdu, leurs terres qui ont été récupérées par les autres races. Donc en gros, il va y avoir des Andalari. Alors les Andalari à Vanilla, ils étaient présentés comment? C'était des trolls, généalogie sur les trolls. C'était les Andalari, c'est tout simplement les premiers trolls. Et qui, à Vanilla, Burning Crusade et Wrath of the Lich King, eh bien, essayaient en fait tout simplement d'orchestrer, de garder, d'essayer de faire survivre l'héritage des trolls, et ils étaient plutôt des figures positives. On aidait même les Andalari à récupérer des textes, etc., et même à gérer les affaires trolls en fait. Donc les Andalari apparaissaient comme les hauts trolls qui veillaient au bien-être des civilisations trolls, parfois même en devant les tuer pour pouvoir permettre un meilleur futur. Donc les Andalari étaient plutôt une approche positive. Mais à Cataclysme, il faut utiliser toutes les balles de chevrotine qui restent dans le fusil. Et du coup, les Andalari deviennent une figure négative qu'il va falloir taper. Et d'ailleurs, et ça, c'est en refaisant les quêtes qu'on a découvert ça avec Evanessor, les Andalari, à l'époque, il y a une cinématique qui est géniale. Les musiques des Andalari sont géniales, la cinématique est vraiment cool. Et Zul, qui est le prophète qui apparaîtra dans BFA, eh bien, était déjà présent dans la cinématique. Alors, on ne l'affrontait pas en jeu, mais il était dans la cinématique. Et c'était lui qui était l'émissaire, l'ambassadeur des Andalari, qui représentait les Andalari, l'Empire Andalari, et qui disait aux autres tribus trolls, il faut que vous vous rassembliez, récupérez vos empires, et lancez la Reconquista, en gros, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, à Cataclysme, Zul à l'aval du roi Rastakhan. Donc le roi Rastakhan, qui est le roi des Andalari, a validé cette conquête militaire des Andalari. Ça sera Redcon à Mist of Pandaria, et c'est pas plus mal. Mais en gros, du coup, Rastakhan et Zul étaient des figures antagonistes
à Cataclysme. Donc encore une fois, on est vraiment dans l'idée du safari, on déboîte tout ce qui passe, quoi. Même les trolls, ils y passent. Quoi, ils étaient positifs, on va tirer dessus. Et c'est vraiment encore une fois le safari, c'est-à-dire que on parle souvent du safari de... Je parle souvent du safari pour les figures de Warcraft 3 qui sont tuées, mais on voit que le safari continue à Cataclysme, parce que là, on récupère tout ce qui reste, même des figures positives de WoW Vanilla qui ont créé l'ambiance WoW Vanilla, on les récupère pour raconter l'opposé de ce qu'ils étaient. Comme Illidan et Arthas à Burning Crusade et Wotelka, par rapport à Warcraft 3, bah là, les Andalari par rapport à WoW Vanilla, où c'est des figures positives, là, ça devient des gros cons de méchants. Donc on va les abattre. Mais en parlant de gros cons de méchants qu'il faut abattre... 4.2, les terres de feu. Alors, je vais calmer le rythme de la vidéo, parce que je vais tout simplement ne pas... C'est un visuel officiel, hein. C'est un artwork officiel des terres de feu de World of Warcraft. Et je vais éviter, mesdames et messieurs, de tomber dans la facilité, dans la bassesse, de faire une comparaison avec un univers d'Heroic Fantasy qui existe et qui a potentiellement inspiré d'autres univers. Parce que là, on n'est plus dans l'inspiration. Je ne tomberai pas dans la bassesse de le comparer, tout simplement. Je voulais juste admirer de temps en temps deux, trois petits détails qu'il y a sur cet artwork. Et je vous rappellerai, mesdames et messieurs aussi, qu'il y a, tout simplement, dans l'instance, dans le raid des Terres du Feu, un mec qui s'appelle le Balarak, qui garde un endroit, une grande entrée, une grande ouverture, et qui est un boss de raid. Mesdames et messieurs, je ne tomberai pas dans la facilité de vous dire qu'il y a une inspiration ici qui est plus que visible. Hein. On vous la met en pleine gueule. Voilà, j'ai pas le droit visiblement de faire ce comparatif. Ça n'a rien à voir avec un univers d'Heroic Fantasy dédié. Donc, les Terres de Feu, Ragnaros, qu'on a vaincu dans les quêtes de Vanilla au Mont Ejal, eh bien, revient, il refait parler de lui dans la cinématique avec Thrall. Alors, je vous passe pas toutes les cinématiques, elles seront dans la description, mais sinon, bah, la vidéo, elle dure 4 heures. Et déjà, elle va durer longtemps, à mon avis. Mais du coup, eh bien, il est prêt à se libérer de nouveau, et on l'a battu à Vanilla, on l'a battu dans les quêtes à son plein pouvoir, à son plein potentiel, dans le pexing du Mont Ejal. Eh bien, là, il revient et il dit... Oh là 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 là, je suis une grosse menace! Mais mec, en fait, on t'a déjà battu au Mont Ejal les doigts dans le nez avec nos dieux sauvages. Du coup, même à l'époque, ce raid, alors potentiellement en termes de mécanique, il peut être cool, mais c'est pas crédible du tout en fait. C'est absolument pas crédible. Et du coup, eh bien, Ragnaros y revient et il se passe exactement la même chose que dans le Pexing. Et c'est pareil, on est dans les Terres de Feu, donc l'endroit où Ragnaros a ses jambes. Hein, ça a fait beaucoup parler de ça. La plupart des gens, et moi premier, c'est vrai que les jambes, il y a un problème dans le squelette. Hein, les jambes sont toutes petites par rapport au buste, ça ne va pas du tout. Et au final, eh bien, Ragnaros est à son plein potentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit ses jambes en fait. C'est pour vous expliquer qu'il a son plein potentiel. Donc là, il n'est pas en version nerf comme à Vanilla, il est en boosté. Mais le truc, c'est qu'en fait, bah, ça change rien. Il pourrait claquer des doigts pour brûler tous les aventuriers, tous les joueurs, tous les dieux sauvages. Non, il fait rien. Il n'y a pas de problème. Et c'est là aussi qu'on va buter Fandral pour se défaire définitivement pour le coup, pour le moment, de Fandral. Mais Ragnaros, eh bien, va succomber. Alors, ce qui est dit par Malfion et notamment Amul, donc l'un des rares tauren nommés, eh bien, c'est Amul qui nous parle dans les quêtes en nous disant que pour vaincre définitivement Ragnaros et un seigneur élémentaire, il faut le battre dans son plan élémentaire, il faut le battre chez lui. Retenez ça pour de futures extensions, parce que tiens, 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 ça me rappelle quelque chose, ça. Oh, c'est une bonne idée, ça. Oh, Franck, Patrick, cette idée de battre le mec sur son terrain pour pouvoir le vaincre, ça on va le garder, ça me semble plutôt pas mal. J'ai le nez pour ces choses-là, ne t'inquiète pas. Donc gardez-le à l'esprit pour de futures extensions. Oh, Lord of Draenor. Et du coup, eh bien... Amul précise du coup qu'il faut battre Ragnaros dans les Terres de Feu pour pouvoir vaincre définitivement Ragnaros. Ce qui est très drôle aussi, c'est que si vous faites... Alors apparemment, il me semble que c'est ça. Si vous faites les Terres de Feu en héroïque, à la fin du coup, qui bat Ragnaros? Les aventuriers n'ont pas le pouvoir pour battre Ragnaros, donc les aventuriers sont là, mais ils seront surtout aidés. Et finalement, qui achève Ragnaros? C'est les dieux sauvages, notamment Cenarius. Enfin, je crois qu'il n'y a pas Malorne dans les Terres de Feu, mais il y a Cenarius, aidé de Malfurion et d'Amul, qui finalement triomphe de Ragnaros. Et en version héroïque, vous avez Cenarius qui va glisser un petit mot et qui va dire... alors ça, j'avais oublié, c'est pareil, en retravaillant le truc, et ben, j'avais oublié cette voice line. Mais Cenarius, en héroïque, dit qu'en fait, même si on l'a battu dans les Terres de Feu, ça ne suffira probablement pas pour pouvoir vaincre définitivement Ragnaros, et que Ragnaros reviendra un jour.
Et ça, c'est incroyable, parce qu'à Battle for Azeroth, le scénario des Dark Iron, donc des Sombres Fers, rappelle cette chose-là en disant que Ragnaros reviendra, et il revient bientôt. Du coup, attention, le dieu du feu sera de retour un jour. Donc peut-être que Ragnaros reviendra dans une future extension de World of Warcraft. Il est temps, mesdames et messieurs, nous avons vaincu Ragnaros, nous avons vaincu Alakir, nous avons vaincu Alakir, nous avons vaincu Cho'Gall, nous avons vaincu Sinestra et le marteau du crépuscule. Il est temps, mesdames et messieurs, de vaincre la dernière, l'ultime menace qui menace le monde, à savoir Deathwing, dans le patch de la 4.3, avec tout simplement l'heure du crépuscule. L'heure du crépuscule, c'est tout simplement pour vous dire, c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse. Donc, comme j'ai dit, les différentes menaces sont éliminées. Il est temps de se débarrasser de Deathwing, la plus grande menace. Les aspects cherchent une solution pour battre un être qui est invincible. De base, Deathwing, c'est quand même un être immensément puissant, mais pas invincible. Là, on vous l'a présenté en destructeur du monde. C'est celui qui refaçonne le monde, tout ça, alors qu'on a vu que c'était pas tout à fait vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été renforcé par les dieux très anciens, et il est encore plus puissant. Hein. C'est le Nec plus ultra, il est plus puissant que Illidan, plus puissant, que toujours plus haut, toujours plus loin, extrême limite, évidemment, référence de Boomer. Et donc, il est le dernier affrontement, il est le champion des dieux très anciens, il faut le vaincre. Le problème, c'est qu'en fait, Blizzard a tellement voulu faire du plus, du toujours plus, la cinématique qui vous montre qu'il détruit le monde, etc. Toujours plus, et bah, le problème, c'est qu'en fait, Deathwing est devenu invincible. Donc comment tu bats quelque chose d'invincible? Et c'est toute la problématique de la mise à jour 4.3, mesdames et messieurs. Je vous parlais de la migraine tout à l'heure sur le tréfonds, préparez-vous, parce que vous allez en avoir une deuxième. Donc si vous avez détaché les ceintures, rattachez-les, mesdames et messieurs, nous allons partir pour du bullshit. Alors, tout d'abord, faisons un petit point sur ce qu'a fait Deathwing, parce que il est le méchant Nec plus ultra de l'extension. Ok, c'est bien. Dans la cinématique, on a vu qu'il était capable de se poser sur Azeroth, de faire et de tout détruire. C'est bien mignon de faire aggro, aggro, je suis le méchant. Mais pourquoi il ne détruit pas Stormwind en fait? S'il a la possibilité de détruire la ville, pourquoi il la détruit pas? Et s'il a la possibilité de détruire le monde, pourquoi il ne le fait pas? Ah! On a un problème. Jackson, on a un problème. Deathwing est trop puissant. Du coup, en un claquement de doigts, il pourrait aussi souffler les différentes menaces qui pourraient l'intimider ou l'inquiéter. Comment on fait? Quoi? On le met en stase jusqu'à la 4.3? Quoi? On va le faire se balader partout sur Azeroth pour donner l'impression qu'il est là, mais en fait il fait rien? Ok, donc on transforme Deathwing en touriste japonais qui prend des photos de tous les quartiers de Paris? Ok, bien allons-y, c'est parti. Deathwing, donc je rappelle que l'extension dure 2 ans, hein, scénaristiquement. Pendant 2 ans, Deathwing il fait... Et il joue à Où est Charlie? Il joue à Où est Charlie, il fait rien, il ne fait rien. Il fait littéralement rien. Il arrive de temps en temps pour faire un graou. Alors bien sûr vous allez me dire, oui dans l'extension des fois il passait et il brûlait etc. Oui mais il a le pouvoir de détruire le monde. Et le problème c'est encore une fois les références au jour du dragon. Le problème c'est que dans le jour du dragon, Deathwing il est pas présenté comme un être immortel, enfin, en fait le problème c'est que Deathwing il se mettait sous forme humaine pour pouvoir saboter les choses qui pourraient le menacer. Il avait déjà été en partie vaincu, notamment par les fils de Lothar, Khadgar, tout ça, Warcraft 2, et des mages du Kirin Tor. Donc, il n'est pas invincible. Il est extrêmement puissant, mais dans le jour du dragon, dans Warcraft 2 et Warcraft 3, il n'est pas invincible. Donc, il doit faire appel à sa stratégie, il doit faire des choses pour pouvoir gagner. Le problème, c'est que quand tu mets ta menace toujours plus OP, il n'a pas besoin de faire de la stratégie. Il rentre dedans, il brûle tout et c'est fini en fait. Donc c'est là le gros casse-tête de la part des éditeurs, et il ne fait rien. Il ne fait littéralement rien dans Cataclysme. Il a le potentiel. Pourquoi il envoie Ragnaros au Mont Ijal? Il arrive au Mont Ijal, il brûle tout et c'est fini en fait. Personne ne peut l'arrêter. Et c'est le gros problème. Et d'ailleurs, ça aussi c'est un autre problème, c'est que Chris Metzen lui-même à la BlizzCon 2009, eh bien, quand je vous dis qu'au tel cas il y a des problèmes mais qu'on ne croit pas, il y aura bien sûr les sources dans la description. Chris Metzen lui-même disait que le traitement d'Arthas à Warsaw King était cartoonesque. A savoir du coup que il arrivait, il faisait graou et il disait « Je pourrais vous tuer, champion, mais vous, l'heure n'est pas encore arrivée pour vous. Je suis Batman. » Pardon. Et il disait du coup « Arthas, il pourrait tuer, il a plein d'occasions de vous tuer, il le fait pas et il repart. » Et Chris Metzen voulait éviter de tomber dans cet écueil de Warsaw King. Donc en gros, le grand-papa du lore te dit qu'il a fait de la merde à Wotelka. Le grand-papa du lore lui-même te le dit. Le problème, c'est que c'est bien de dire ça, mais en fait, à Cataclysme, Deathwing, c'est pareil, voire pire. Même Arthas n'a pas autant de pouvoir que Deathwing, en fait. Le roi Lich n'a pas autant de pouvoir que Deathwing. Et Deathwing, il fait rien. Parce qu'on essaye de le faire, oui, mais en fait,
il essaye de corrompre les gens pour faciliter l'Armageddon lors du crépuscule. Mais il a pas besoin du marteau du crépuscule. En 2 ans, il te souffle toutes les grandes villes et c'est le jour du dragon. Enfin, comment s'appelle le film avec les dragons? Dragon, je sais plus quoi là. C'est ça en fait. Il détruit toutes les villes et t'essayes de survivre à Deathwing. Mais le problème, bah, c'est que c'est pas possible. C'est un MMORPG, donc il peut pas faire ça. Donc on a survendu une menace qui est trop OP par rapport à ce qu'on peut faire. Et c'est un gros gros problème pour Cataclysme et la fin de Cataclysme notamment. Donc il faut trouver une faille dans Deathwing. Et il y a des failles, qu'on soit clair. Il y a des failles, elles sont possibles les failles. Mais Blizzard va se dire qu'en fait, la faille et l'arme, donc les aspects réfléchissent à trouver une solution miracle pour essayer de battre Deathwing. Et cette arme miracle, c'est l'âme des dragons. Une relique légendaire construite par les dragons pour pouvoir vaincre. C'est, en fait, c'est un peu l'anneau unique de Warcraft. Avec la capacité d'avoir un pouvoir gigantesque qui te permet de faire plein de choses. L'âme des dragons est une relique légendaire, notamment qui a été présentée dans la guerre des anciens. Je ferai une vidéo un jour sur la guerre des anciens et il aura un rôle très important. Et c'est une arme de destruction massive. C'est littéralement une arme de destruction massive. Et Blizzard manque un petit peu de modération et de subtilité hein, à Cataclysme, comme je vous l'ai dit. Donc, eh bien, pour vaincre Deathwing, il faut lui mettre une tête nucléaire dans la tête. Et la tête nucléaire, c'est l'âme des dragons. Il y a un petit hic. Il y a deux problèmes. Il y a deux petits problèmes, vous verrez ces deux petits problèmes. En fait, la seule personne immunisée à l'âme des dragons, bah c'est Deathwing. Et là vous allez me dire, oui mais c'est peut-être une ligne qui a été faite. Ah non non non, relisez le jour du dragon et la guerre des anciens, c'est extrêmement bien expliqué le fonctionnement de l'arme. Et Deathwing, c'est lui qui est à l'origine de la création, comme Sauron avec les anneaux. Et il a trompé certains pendant la création, notamment les différents aspects. Maligos a participé malgré lui à la création de l'arme qui détruira une très grande partie de son vol, et notamment la perte de ses amours, Syndragosa. Et au final, eh bien, Deathwing, avec cette arme ultime, eh bien, il va renverser tout simplement l'échelle de puissance, et il avait un pouvoir inimaginable. Sauf que le truc, c'est que les aspects, dans leur dernier souffle, ils ont fait en sorte que même Deathwing puisse pas s'en servir. Alors, l'arme est inefficace contre Deathwing, mais Deathwing ne peut pas s'en servir. C'est pour ça qu'il devra se servir de mortel pour pouvoir utiliser l'âme des dragons. Mais lui-même, est immunisé, c'est même le premier truc. En fait, l'arme, elle est définie par le fait qu'elle est inefficace contre Deathwing. C'est bien présenté aussi dans le jour du dragon. Et là, on te dit, bah en fait, on va utiliser ça contre Deathwing. Ouais, mais il y a un problème, Jackson, c'est que ça ne marche pas. Il y a un problème, mon petit Jack. Ça ne marche pas, en fait, ça ne fonctionne pas contre Deathwing. Autre problème mineur, en fait, il n'y a plus d'âme des dragons. L'âme des dragons a été détruite dans le jour du dragon. Elle a été fragmentée, morcelée dans le jour du dragon. Et dans la nuit des dragons, eh bien, certains fragments de l'âme du dragon, parce que le reste a été détruit, certains fragments restent, ils n'ont qu'une partie, un fragment, hein, comme son nom l'indique, un fragment du pouvoir de l'âme des dragons. C'est ce qui va permettre à Sinestra de faire le vol du crépuscule et de menacer le monde. Et bah, ces derniers fragments, ils sont détruits, au niveau moléculaire. Y a plus rien, y a plus rien du tout. Du coup, tu veux utiliser une arme qui est inefficace contre Deathwing, et qui n'existe plus. Ah! Comment tu fais? Je vous l'ai dit, attachez-vous, ça va démarrer. On va décoller. Donc, il y a un petit souci. Et comment tu fais quand il y a une arme qui n'est plus disponible dans notre réalité, dans notre timeline? Eh bien, nous allons tout simplement remonter le temps. Ah, les joueurs, ils ont bien aimé. Les cavernes du temps à Burning Crusade, le Mont Ijal, tout ça, les joueurs, ils ont kiffé. C'est vrai, et moi personnellement je suis pour, hein, je le rappelle dans Burning Crusade, c'est encore une fois le safari, on va vous faire buter des immenses légendes du lore de Warcraft, mais ça n'a jamais été l'intrigue principale, c'était plutôt pour du gameplay même, c'était plutôt on va permettre, et moi je suis pour, permettre de revivre des joueurs qui n'ont pas connu Warcraft 3, Warcraft 2, Warcraft 1, leur faire revivre des grands événements de Warcraft 1, 2 et 3, mais qui n'a pas d'incidence dans l'intrigue principale et qui ne gangrène pas le récit, moi je suis pour. Hein. Le problème c'est que là, donc quelque chose de secondaire devient l'arc principal, puisque eh bien, on va faire un voyage dans le temps. Et là, mesdames et messieurs, c'est il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes. Parce que, en fait, qui a le pouvoir sur le voyage dans le temps? C'est Nosdormu, l'aspect du vol bronze, donc l'aspect du temps du vol bronze. Et c'est quoi la mission première? C'est quand même un bot, vous savez, un robot avec les trois leçons, enfin les trois commandements, on va dire, d'Asimov, là je sais plus, les trois lois d'Asimov, c'est le fait qu'un robot ne puisse pas attaquer son porteur, etc. Bah, Nosdormu, il est programmé un peu de la même manière, son pouvoir a été donné par un titan,
Norganon, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Et avec ce pouvoir, la première instruction qui a été, c'est « Mec, t'as le pouvoir sur le temps, mais t'as pas intérêt à déconner avec. Et pour te montrer, pour que tu restes humble et que tu pètes jamais un câble, eh ben en fait, je vais te montrer ta mort. Parce que même toi, avec le pouvoir du temps, tu n'es pas immortel. » Ça te fout un coup. Hein. Forcément, ça te met un coup, ça te remet à ta place. Et le premier commandement du temps, pour Nosdormu, c'est de faire en sorte que le temps s'écoule normalement, mais surtout pas d'y toucher. Ah bah ça, c'est une barrière problématique, hein, ma petite... ah bah mon petit Roger, ça, Cataclysme, ça pose problème. On peut pas, on a besoin de l'âme des dragons. Et bah du coup, on va détruire le premier commandement de Nosdormu qui est de ne pas toucher au temps, de faire en sorte que le temps s'écoule bien, donc de corriger parfois quand certains essayent de jouer sur le temps, et bah c'est la police du temps, en fait, hein, Nosdormu. Et bah là, en fait, il va craquer son propre commandement, détruire son propre commandement, le foutre à terre et cracher dessus, parce que il va dire, oui, on va remonter le temps, on va aller récupérer l'âme des dragons. C'est un plan génial. Et c'est une catastrophe d'un point de vue écriture. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ça touche au fondement même de la licence, en fait. En plus, parce que vous pourriez vous dire, ouais, bah ça va, c'est exceptionnel. Mais en fait, le problème de faire ça, c'est que moi, par exemple, je suis le premier à critiquer Burning Crusade et Wotelka. Mais tuer Illidan et faire un traitement inutile et ridicule et complètement pourri d'Illidan et d'Arthas, bah c'est dommage pour les personnages et pour leur faction, mais ça ne bouleverse pas le monde de Warcraft qui continue de tourner. Là, on touche au fondement même du monde de Warcraft. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si, à la moindre menace qui menace le monde, il y en aura d'autres, bah ça veut dire que Nosdormu, il dit, hop, le monde, il peut être détruit. Pas de problème. On remonte dans le temps, on va chercher une ogive nucléaire et on lui envoie dans sa gueule. Et du coup, bah, le joueur, il sert à quoi? Et bah, du coup, il n'y a plus aucune menace qui est une menace, en fait. Quoi, Nuzzat menace le monde? Bah on retourne à l'époque où les prisons étaient bien, puis on va mettre un sceau supplémentaire, on va mettre le sceau du Jinchuriki dessus et il n'y aura pas de problème. Vous voyez, en fait, le grave problème ici, c'est que bah, à vouloir toucher au temps, bah, tu détruis tous les enjeux, en fait. Il n'y a plus de problème, Il suffit de dire, Nosdormu, y a un problème là, il faut qu'on monte dans le temps pour... Quoi, la horde, Gul'dan pose problème? Et bah on remonte dans le temps, on tue Gul'dan, plus de problème. Vous voyez le problème? Enfin, c'est un énorme problème. Et du coup, bah, les futures extensions... Quoi, il y a Sargeras qui menace le monde? Bah, c'est pas grave, on va revenir au moment où il est invoqué. On va empêcher qu'il arrive. Donc ça détruit tous les enjeux et toutes les problématiques du... Mais bon, ça, c'est un truc, j'y reviendrai sur la conclusion. Maintenant, autre chose. Maintenant qu'on est en possession... Alors, j'ai pas fini, pardon. Donc on voyage dans le temps, et surtout, on est toujours dans... Oubliez pas qu'on est dans le contexte du safari, mesdames et messieurs. Donc... Quitte à remonter dans le temps pour choper l'âme des dragons, est-ce que vous le ferez à l'époque du jour du dragon où bah, il suffit de tuer un warlock, un démoniste orc pour récupérer l'âme des dragons? Oh bah non, ma pauvre Lucette, ce serait trop facile. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va remonter dans le temps pour récupérer l'âme des dragons. Est-ce qu'on le fait à une époque où c'est facile de le récupérer? Oh bah non, hein. Oh bah non, ça serait quand même dommage, ce serait du gâchis. Du coup, on va remonter à quelle époque? Eh bah la guerre des anciens, mesdames et messieurs. Et la guerre des anciens, c'est quoi? Bah c'est l'Armageddon, c'est la fin des mondes, hein. Les démons sont à deux doigts de détruire le monde. Eh ben on va aller à cette charmante période, ça me semble pas mal. Quoi? Ça va nous permettre de tuer Manoroth et d'autres figures emblématiques, on va pouvoir affronter Ashara. Eh bien allons-y, en voiture Simone, on va s'en occuper. Et du coup, eh ben c'est l'occasion d'aller buter Manoroth, d'aller buter Varrotten, le garde en chef de l'armée d'Ashara, d'aller tuer Ashara. Alors Ashara ne meurt pas bien sûr parce que c'est dans le temps, mais on va buter Ashara, etc. etc. Voilà, le safari est complet, quoi. On est vraiment excellent. Et du coup, eh bien, on récupère l'âme des dragons à la pire période de l'histoire pour récupérer l'âme des dragons, et probablement l'une des périodes les plus noires de l'histoire de Warcraft, l'une des pires périodes dans laquelle voyager. Mais pas de problème, maintenant nous sommes en possession de l'âme des dragons, mesdames et messieurs. Les aspects plustrales vont se rassembler au repos du verre. Pourquoi le repos du verre? Bah parce que ça nous permet de récupérer des assets de Wotelka sans trop de travailler, hein, parce que ça serait compliqué sinon, hein, on a beaucoup passé de temps à refaire les nouvelles zones, donc... On va bien récupérer des nouveaux assets, hein, ça serait bien. Du coup, on va aller au repos du verre, mais après, canoniquement et dans le lore, c'est tout à fait logique, hein, c'est l'endroit où il y a les aspects dragons. Alors pour le coup, préparez-vous, parce que si un jour il y a une extension sur l'archipel et les îles aux dragons, peut-être qu'il te dirait qu'en fait, c'était pas le repos du verre l'endroit principal. Et là, vous crierez au Redcon. Mais en fait, Wotelka avec le repos du verre faisait déjà une espèce de proto-Redcon, parce que c'est pas tout à fait, il se sert d'un vide juridique, on va dire, pour aller dedans. Parce que en fait, bah, l'endroit gigantesque dans la guerre des anciens où les dragons ensemble vont voter pour l'utilisation de l'âme des dragons, et là Deathwing va faire, en fait, bah, je vous ai bien niqué, bah, ça n'a jamais été texto dit que c'était le repos du verre.
Et d'ailleurs, le repos du verre, c'est une tour où on n'imagine pas les 5 aspects pouvoir rentrer dedans. Donc, sur le papier, c'est un peu bancal. Donc, si un jour on vous dit qu'en fait c'était pas là, mais dans les îles du dragon, bah, faut pas crier au retcon parce qu'en fait ce serait un retcon du retcon. Ce serait un peu comme Illidan à Légion. C'est, on corrige la merde de BC et on revient sur l'origine même du lieu. Ce serait un peu l'idée. Enfin bon, ils sont en possession du coup et ils arrivent au repos, au temple du repos de verre, l'endroit, le cœur névralgique de la civilisation draconique. Et le truc, c'est qu'on a l'âme des dragons. Bah, comment on fait ? L'âme des dragons, hein, y a toujours un problème, et ça c'est plutôt bien, ils le disent, est toujours inefficace contre Deathwing. Et là, c'est probablement l'un des meilleurs ta gueule c'est magique qui arrive depuis Dalaran. C'est tout simplement eh bien, qu'il faut renforcer l'âme des dragons. Alors on a été justement à la guerre des anciens parce qu'il paraît que c'est le moment où l'âme des dragons était le meilleur. Alors, apparemment il était moins bon après. J'ai raté un épisode. Et du coup, eh bien, on va renforcer encore une fois l'âme des dragons. C'est-à-dire que l'âme dragon contient l'essence des aspects, hein, de tous les aspects, Maligos, Nosdormu, Izeral, Extraza. Mais eh bien, on va remettre encore un peu de pouvoir pour alimenter le truc. Je rappelle que l'arme est déjà une arme de destruction massive. Mais soit, on va la renforcer encore. Et c'est pas fini, parce que Maligos est mort, hein, on l'a tué comme des cons à dommage, à OTLK. Du coup, il aurait servi hein, contre Deathwing, mais dommage. Eh bien... qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'il avait aidé à créer le truc, donc ça aurait été plutôt pratique. Il aurait pu dire, hey, moi j'ai créé le truc, donc je peux peut-être faire un truc. Et au final, eh bien, on va se servir de l'iris de focalisation, qui était une création de Wasabi King par les dragons bleus. On va se servir de l'iris de focalisation pour renforcer et rebooster encore plus l'âme des dragons. Mais mesdames et messieurs, je suis pas très bon en mathématiques, mais 0 fois 10 milliards, bah, ça fait toujours 0 en fait. Donc pour le moment, bah, t'as beau renforcer et dire que tu renforces du renforcement, bah, c'est toujours inutile contre Deathwing en fait. Et Blizzard en a conscience. Du coup ils disent, le problème c'est que ça ne marche toujours pas contre Deathwing, il faut faire quelque chose. Et là, vous avez plein de solutions possibles pour faire ça. Vous avez des solutions simples. Comment l'âme des dragons a été créée? Eh bien tout simplement, à la base c'est des écailles de Deathwing, enfin c'est des écailles, des aspects, etc. Juste une écaille ou du sang, c'est d'ailleurs dit texto dans la guerre des anciens, juste une écaille ou du sang peut suffire à infuser en fait l'âme des dragons de l'essence des différents dragons. Donc il suffit de récupérer une écaille de Deathwing ou même du sang de Deathwing. Oh bah dis donc, tiens, hey, dans le tréfond il y a du sang de Deathwing qui bouge, on peut peut-être l'utiliser. Et bah en fait ça, apparemment hein, ça ne suffit pas. Donc texto on nous le dit hein, dans le crépuscule des aspects blablabla dans la nouvelle aussi de Deathwing. Eh bien, en fait, apparemment, ça ne suffit pas. Le sang et les écailles ne suffisent plus. C'est comme ça que Elextraza a alimenté le truc, mais apparemment, ça suffit plus. Et du coup, eh bien, il va falloir trouver autre chose. Alors, dans la même nouvelle que je vous ai citée, qui sera disponible dans la description, eh bien, en fait, on nous explique que Thrall, à un moment donné, en fait, il parle à Deathwing, et Deathwing avait l'occasion de le tuer, mais il préfère essayer de le corrompre plutôt que de le tuer. Hein, c'est Deathwing in a nutshell, hein, c'est Deathwing résumé en une seconde à Cataclysme. Et au fait, Deathwing avait l'occasion de tuer Thrall, mais il le tue pas. Et il va lui dire, Thrall essaye de comprendre pourquoi Deathwing fait ça, et Deathwing, et ça plutôt l'arc, plutôt intéressant justement, pour comprendre pourquoi Deathwing fait ça, pourquoi c'est un graou méchant, bah en fait il explique qu'il a le poids du monde sur ses épaules et que bah, c'est un poids trop dur à porter. Et du coup il dit à Thrall, bah regarde le don que les titans m'ont fait, regarde, teste-le, expérimente-le. Donc Deathwing prête une partie de son pouvoir à Thrall, et Thrall se rend compte de l'immensité que Deathwing a dû porter sur ses épaules, la corruption des deux très anciens, etc. Et du coup Thrall il ressent ça, et il est en mode, oh la vache, c'est terrible. Et Deathwing reprend le truc, et ce qu'aurait pu être dit, la troisième solution aurait pu être dire, bah en fait Thrall, quand Deathwing lui a prêté une partie de son pouvoir, bah, il reste un peu de son essence. Et du coup Thrall peut se servir de cette essence pour alimenter l'âme des dragons, pour justement, enfin, en gros en plus ça aurait été une, je dirais une métaphore assez intéressante, à l'image de Warcraft 3, où en fait bah, le truc est tellement puissant que comment tu le bats, bah, parce qu'il devient arrogant et il prête une partie de son pouvoir. C'est la solution facile, mais... c'est une leçon de vie qui marche toujours, en étant, enfin, plus haut tu montes, plus dur est la chute. Hein. Et bah, c'était dit dans le récit. Et non, ils ont pas utilisé ça. Non, il y a pas de trace en fait. Il a tout repris, donc il y a plus de traces de Deathwing dans Thrall. Du coup, comment Thrall arrive à alimenter l'âme des dragons par l'essence de Deathwing? Et ben en fait, mesdames et messieurs, en fait Thrall fait un Faman, donc il a du pouvoir sur la Terre. Et Deathwing, c'est le garde-terre, je vous l'ai dit plus précédemment dans la vidéo, c'est le garde-terre. Et comme c'est le garde-terre et que Thrall c'est un Faman très puissant, ils ont tous les deux un lien avec Azeroth. Et du coup, eh bah, Thrall c'est un peu une sorte de garde-terre du coup, parce qu'ils ont tous les deux un pouvoir sur Azeroth sur la Terre. Il y avait des solutions plus simples hein, que cette merde. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire.
On dirait moi devant un problème de maths. Mais attends, mais si ça et ça, ça marche. Bah, c'est logique. Et bah, le prof de maths, généralement, il me dit, bah non, c'est pas logique. Non, non, c'est pas logique, c'est de la merde, en fait. Donc, c'est un souci. Mais finalement, du coup, grâce à... Et ce qui est génial, c'est que dit dans les romans et dans le jeu, hein, il y a Calégos qui dit, oui, l'iris de focalisation, machin, et Tral fait, mais oui. Mais en fait, si vous réfléchissez, non, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'un personnage vous dit, mais oui, ça va marcher, que ça marche. Là, faut prendre un peu de recul, hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Surtout quand on vous a dit, texto, comment fonctionne le truc avant, quoi. Mais bon, c'est comme ça, finalement, ça fonctionne, on a l'âme des dragons qui arrive à blesser des soins. Magie incroyable, finalement ça fonctionne, ça blesse profondément Deathwing. Ça, voilà, donc en gros Thrall lance canon laser sur Deathwing, et bien ça fonctionne. D'ailleurs j'ai oublié de vous parler de quelque chose, c'est qu'au moment où, Thrall alimente l'âme des dragons et au moment où les aspects redonnent une partie de leur essence, en fait pendant ce temps Deathwing il est pas inactif pour une fois. Il bouge autour du repos du verre, du temple du repos du verre, autour de la tour, et il envoie, parce que Deathwing est devenu un dresseur de Pokémon, donc il envoie tous ces sous-boss, les uns après les autres. On va buter Benedictus, un Marcus Jonathan, hein, Créa Vanilla, qui est censé être le pape de l'univers de Warcraft après Alonsus Faol, qui en fait, bah, en fait, il servait le marteau du crépuscule, puisqu'il était très très méchant. Et du coup, il envoie tous ses Pokémon, dont le Pokémon suprême de la Ligue Pokémon, c'est Ultraxion. Je vous en ai parlé, Ultraxion, hein, le dragon du crépuscule giga puissant. On le fracasse en 2-2, hein. Il est aussitôt venu, aussitôt parti. Et eh bien, il va apprendre l'attaque ultra laser de Thrall et ça va le fragiliser, ça va gravement le blesser. Le truc, c'est que du coup, Deathwing, comme il est gravement blessé, ça rappelle aussi Warcraft 2 avec Khadgar, etc. Khadgar, Aleria, et Kurdran, pardon, qui avait blessé Deathwing. Eh bien, il va s'enfuir et essayer de se régénérer. Il l'a déjà fait dans le Jour du Dragon, il l'a déjà fait dans Warcraft 2. Blizzard s'est dit, eh bien, allons le refaire. On va le poursuivre. On va poursuivre un aspect. Le plus gros aspect qui existe, Deathwing, des grosses grosses ailes pour aller très très vite, avec des canonnières. Donc des zeppelins, en gros. Ou des machines volantes géantes. Et on rattrape Deathwing, parce qu'on est très rapide. Parce qu'on a mis un peu de nitro, ça va très bien. D'ailleurs, au passage, là vous voyez une des canonnières, et la canonnière, vous voyez le logo de Lordaeron à l'envers. Parce que. Bon, ça c'est Wotelka, c'est pas Kata, mais ils n'étaient même pas foutus de mettre le logo de Lordaeron à l'endroit. Et vous avez deux personnes là, et vous vous dites, mais pourquoi tu nous les affiches? On s'en fout de ces persos là. Vous vous rappelez la Catatouch? Je vous avais dit, on verra l'arc final. Et bien, une fois qu'on a battu Ultraxion et qu'on poursuit Deathwing, qui Deathwing veut aller du coup dans son repère, il veut se réfugier. Et il va vers le Maelstrom, l'endroit où il y a le Tréfonds, et il veut rejoindre le Tréfonds pour se régénérer. Alors déjà, là, on nous apprend sur place que si jamais il atteint le Tréfonds, game over, on pourra plus le battre. Ah bon? Ça sort d'où cette histoire? Ça sort d'où, hein? Genre, on l'a déjà battu avant, il a déjà été blessé, il s'est régénéré, il est revenu, on l'a fracassé, genre... Pourquoi? Mais on nous dit ça pour nous donner un peu le côté épique. Si on n'arrête pas là, ce sera la fin, etc. Et la Catatouch, intrigue principale, boss de fin d'extension. Mesdames et messieurs, vous avez aimé Point Break? Et ben vous allez pouvoir revivre Point Break. Parce que nous avons Patrick Swayze qui représente l'Alliance et nous avons Keanu Reeves qui représente la Horde. Et là, on est avec subtilité et modération. Hein. Est-ce que vous l'aviez pas vu, hein? Et du coup, eh bien, il y a Patrick Swayze et Keanu Reeves qui vont vous permettre de revivre Point Break dans World of Warcraft pour pouvoir sauter en parachute pour attraper Deathwing, atterrir sur son dos. Comment voulez-vous que je traite sérieusement ce genre de choses? Parce que je suis sûr qu'une des critiques qui arrivera dans les commentaires, c'est de me dire, mais bah, le gars, t'es un peu trop ironique, un peu trop ironique dans la vidéo. Mais comment voulez-vous que je traite ça sérieusement? Comment voulez-vous qu'on puisse traiter ça sérieusement? C'est pas possible en fait, c'est impossible, c'est pas possible. Finalement, Deathwing arrive à l'endroit, je le rappelle, qui était censé être la porte vers son repère et pouvoir se régénérer. Donc il arrive à l'emplacement prévu. Finalement, eh bien, les aspects le rattrapent, on le rattrape, on a suffisamment fragilisé. Thrall s'est suffisamment reposé, il peut relancer Ultra Laser pour pouvoir fragiliser Deathwing. Deathwing qui est en train de tomber dans le Maelstrom. Alors, bah, laisse-toi glisser mon con, parce que c'est la porte d'entrée pour ton repère. Pourquoi ça devient une menace? On sait pas. Apparemment, Blizzard a beaucoup aimé la guerre des anciens, hein, parce que bah, c'est en gros un clin d'œil, un auto-clin d'œil, une auto-référence à Sargeras dans le flot du puits d'éternité qui va se refermer sur lui-même par un orc, Broxigar, qui va fermer le portail, enfin qui va blesser suffisamment, enfin qui a détourné l'attention pendant une petite seconde de Sargeras, qui va permettre à Malfion de refermer le portail. Et bah là, c'est un orc qui, dans une espèce d'entonnoir,
la menace va être broyée dans l'entonnoir par les dragons et par Thrall. Alors qu'il a juste à se laisser glisser pour retourner dans son repère où il est censé être invulnérable, selon les quêtes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et bon, bah la technique ultra laser. Alors je vous mettrai aussi dans la description très probablement la vidéo de Carbot qui j'aurais dû vous la mettre même, hein, parce qu'elle représente très très bien Cataclysme, je trouve, cette vidéo. Et mesdames et messieurs, nous avons enfin vaincu Deathwing. Il a été broyé par le Maelstrom, vaincu par Thrall, vaincu par les aventuriers, vaincu par l'union des aspects. Fantastique. Et l'âme des dragons, hein, donc fantastique, nous avons gagné. Il est l'heure, mesdames et messieurs, d'attaquer la cinématique de fin de Cataclysme. Et elle va vous rappeler normalement, peut-être, un classique de la science-fiction. Les champions qui se sont battus avec nous ont assuré la survie de notre monde. Maintenant, nous le contemplons avec des yeux mortels. Nous, les aspects, avons accompli notre grand dessein et notre antique puissance est épuisée. Mais même si notre époque s'achève, la vie continue. Et de nouvelles générations apparaissent. La victoire en ce jour revient à tous ceux qui ont lutté contre les ombres. Vous êtes les vrais gardiens d'Azeroth. Et l'avenir du monde est entre vos mains. Car l'aube de l'âge des mortels vient de se lever. Alors, il est temps de mettre un dernier pied-bouche, bien sûr, à Cataclysme. Si jamais vous voulez jouer le jeu, vous vous repassez cette cinématique et vous mettez la musique. Vous mettez une musique qui est tout simplement la musique de fin du Retour du Jedi. Et vous verrez la grande menace, le grand truc qui est mort dans un grand badaboom avec plein d'étincelles, dans un grand flash lumineux. Eh bien, regardez, vous mutez le son et vous mettez la musique de la fin du Retour du Jedi. Et là, avec le ta-ha. Et ben, je peux vous dire que ça match très très bien. Je l'ai fait en stream, ça match excellemment bien. Donc voilà pour la fin de Cataclysme. La fin aura été un petit peu terrible, bien entendu. Alors là, par rapport à ce que je viens de dire, vous pouvez vous dire, bon bah en fait, Malga, Kata, c'est vraiment de la merde d'un point de vue de lore. Ça semble terrible. Tu nous as dit que c'était limite pire que BC ou Hotel K par rapport au traitement du temps, etc. En fait, je ne peux pas vous laisser dire ça, on y reviendra après en conclusion, mais non, Cataclysme n'est pas la pire extension de World of Warcraft, bien au contraire, je pense que c'est une extension même moyenne au final. Il y a des choses terribles, mais il y a aussi de très bonnes choses. Et il est temps, mesdames et messieurs, de faire le tableau de chasse, de faire un résumé du tableau de chasse. Alors on n'a pas pu tout mettre, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, on se disait que ça devait être le tableau de chasse ne serait pas aussi gros que BC ou Hotel K, qui étaient quand même les sacrés tableaux de chasse. Mais en fait, comme ils reprennent beaucoup de boss de Vanilla, bah, le tableau de chasse, il est énorme. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'heure de conclure le safari. Ça y est, avec la fin de Cataclysme, se termine ce que j'appelle le safari, la période du safari, à savoir, nous autres joueurs américains, on prend le fusil et quand on part au Kenya se taper du lion, de l'hippopotame, du crocodile, tout ça, eh bien, ça se termine avec Cataclysme. Il y aura une petite parenthèse qui s'ouvrira dans une future extension, je ne donnerai pas le nom. Et, mais le safari se termine avec Cataclysme. Et faisons le décompte des kills. Nous avons tout simplement donc Cairn Bloodhoff que vous voyez en premier, donc Cairn Sabot de Sang qui est mort juste à côté à droite, Crassus Corialstraz. Ensuite on a Zalazan du coup qui est mort à Cataclysme. Nous avons ensuite Thermojoncteur, oui je sais beaucoup ne le connaissent pas, hein, c'est un gnome. Mais Thermojoncteur qui est la menace des gnomes. Alors pour le coup bouclier bleu, pourquoi? Parce que lui, eh bien il ne meurt pas. Il est vaincu mais il ne meurt pas, donc on le bat en tant que boss. Pareil pour Vanessa Van Cleef, hein, qui est et son papa mais en version sexy, elle a pris les bas de Valyra et du coup c'est sa version sexy. Elle c'est pareil, on la reverra notamment à Légion, Thermojoncteur lui on le reverra à BFA.
Et nous avons ensuite le Panthéon égyptien. Eh oui, à Uldum, nous avons le Panthéon égyptien. Pour le coup, ça traite même limite moins bien que Wotelka le Panthéon, parce que Wotelka n'a fait que reprendre le Panthéon scandinave, copier-coller et faire deux, trois trucs. Mais au moins, ils ont essayé de raconter une histoire à ce Panthéon. Même si c'était même si c'était la mythologie scandinave, ils ont au moins essayé de faire un truc. À Cataclysme, on te reprend le Panthéon égyptien, mais eux, ils n'auront même pas le droit. On ne sait, pas vraiment ce qu'ils font. Hein. C'est juste des gardiens, c'est tout. C'est juste des gardiens qui servira. Raden, voilà, c'est tout. Et du coup, eh bien, je vais vous les lister. Nous avons tout simplement, en partant de la gauche vers la droite, hein, toujours, nous avons du coup Anur, Ptah, Setesh, Amunae, Isis 7. I have Isis, I have a 7. Oh, Isis 7, pardon. Nous avons Raj, qui conclut en fait cette chasse, ce safari des dieux égyptiens. Vous aimez bien les dieux égyptiens, eh bien, on les a fracassés. Nous avons ensuite... après Isis 7 et après Raj, donc maintenant le monsieur pas content là, eh bien c'est tout simplement Benedictus, hein, le grand Benedictus qui avait un dragon doré, donc c'était forcément une légende à Vanilla. Nous avons ensuite Fandral, forte ramure évidemment, hein, que nous avons buté à Igel. Akkar qui a fait son petit retour, forcément c'était un boss de Vanilla, donc on le réutilise. Pour le coup, lui, son retour était plutôt bien écrit. C'était plutôt bien fait. Avec Rise of Zandalari, l'extension sur les trolls, enfin le patch pardon, sur les trolls, eh bien, on revoyait Akkar. Ragnaros, pas une fois, mais deux fois. On aurait dû mettre il n'y a plus de place. Bon. On aurait dû mettre deux fois Ragnaros même. On a ensuite Alakir. Ensuite, on a Sinestra. On a ensuite Onyxia et Nefarian, hein, dans l'ordre, en version zombifiée. Nous avons Murozonde, qui est tout simplement Nosdormu, mais qui a pété un plomb, dans une réalité alternative où il essaye de détruire le temps. Donc ça, Murozonde et Nosdormu en version à l'envers, en fait. Nous avons ensuite Varoten, qui n'a jamais été représenté avec... Parce que c'est la seule particularité qu'il a, donc le garde d'Ashara, qui est en gros son chef de garde, et donc l'un des chefs des armées d'Ashara. Varoten est censé être un elfe de la nuit borgne. Mais il est toujours représenté avec les deux yeux. Ah bah, on oublie les attributs, quoi. Et enfin, Manorath, hein, qu'on voit tout à droite, évidemment. Qui ont été battus dans le Puits d'Éternité, hein, le donjon, tout ça, qui permet de récupérer l'âme des dragons. Et en bas, nous avons évidemment deux têtes pour le prix d'un... Cho'Gall, Deathwing. Et on vous a mis World of Warcraft classique, plus Burning Crusade et tous les boss que vous avez charcuté les uns après les autres qui ont été recyclés dans l'extension. Et bah, ils sont là sous la forme de World of Warcraft classique, bien entendu. Donc un sacré safari au final. On va continuer avec justement une phrase, en fait, un écrit qui a été fait par justement les développeurs de Blizzard. Grand ponte du lore de World of Warcraft, qui nous dit du coup, nous pensons qu'après plus de 7 ans de cycle de vie dans World of Warcraft, il est temps de commencer de nouvelles histoires. Les précédentes extensions reposaient lourdement sur des héros et des méchants établis dans les jeux RTS de Warcraft. Nous ne voulons pas simplement nous reposer sur nos lauriers. Nous voulons introduire de nouveaux personnages. Nous voulons avoir quelques nouveaux ennemis à combattre. Et plus important encore, nous voulons commencer à semer les graines de futures histoires. Rien n'est plus décevant que de découvrir que le boss que vous êtes supposé tuer est quelqu'un dont vous n'aviez jamais entendu parler. C'est bien plus amusant lorsque vous connaissez les méchants, lorsque vous avez une raison de les haïr, et que vous voulez les tuer pour arrêter leur plan diaboloïque, et pas juste pour ramasser leur butin. Gardez cette citation, évidemment, en tête, puisque les futures extensions reposeront un petit peu là-dessus. Alors, l'idéal, c'est de faire du fanservice en récupérant ce qui a pu être fait par le passé, mais en faisant un traitement qui permette de faire... tout simplement de semer des graines pour raconter une histoire par la suite. Et si je dois dire quelque chose, c'est que justement, en allant là-dessus, c'est que vraiment Cataclysme recycle jusqu'à la moelle, hein, vraiment ils ont pompé jusqu'au dernier souffle, ils ont été récupérés tout, Warcraft 2, Warcraft 1, Warcraft 3, les univers étendus, Vanilla, BC, Wotelka, on récupère tout pour essayer de balancer les dernières bastos. Et finalement, eh bien, il va falloir justement faire les fondations pour l'après. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire que Cataclysme est une mauvaise extension. Elle n'est pas bonne, ça c'est clair, on ne peut pas dire qu'elle est bonne, mais elle a des particularités qui sont très 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 mauvaises, elle a des plans qui sont extrêmement mauvais, notamment la fin et la trick principale, mais elle amène le renouveau aussi qui servira, et si par exemple vous aimez beaucoup Mr. Pandaria, Légion, BFA, en termes d'histoire, bah, Cataclysme est responsable aussi de ça, puisque il a fait germer justement les graines de l'avenir de World of Warcraft. Donc, bien entendu, comme on l'a dit, servira de fondation, il va paver la route pour les très bonnes choses,
MOP, Légion, BFA, comme j'ai dit, il va également paver la route pour de très mauvaises choses. World of Draenor. Avec notamment le traitement du voyage dans le temps et les restes de masse. Bon, les restes de masse qui ont été commencés par Wotelka, on va pas se mentir, qui a commencé Devania, mais c'est Wotelka qui a commencé les restes de masse. Cataclysme n'a fait que reprendre ce truc-là, mais bon, les restes de masse et surtout le voyage dans le temps, ça c'est Cataclysme, hein, c'est à mettre au crédit ou au tort de Cataclysme. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais quel enjeu si Nosdormu est capable de remonter dans le temps et neutraliser la menace avant même qu'elle commence. Bon, bah, c'est terrible. Donc voilà comment se termine le Safari. Et le Safari, j'utilise, mais comme vous voyez, même Blizzard en a conscience du Safari. Donc, c'est comme ça que se termine Cataclysme. Cataclysme, si on doit résumer en conclusion, c'était l'extension du tout ou rien, l'extension du très bien comme du très mauvais. Je le rappelle encore une fois, parce que la fin, c'est vraiment que du négatif quasiment, mais... Rappelez-vous le début, le traitement notamment, il y aura plein de vidéos annexes qui vont parler de très bonnes choses de Cataclysme, notamment le lore des Worgen, Gilneas, l'avancée des réprouvés avec le traitement de Sylvanas, il y a tellement de choses, rien que sur des personnages, pour vous citer, le traitement de Varian, le traitement d'Anduin, le traitement des nains, même si bon, les nains maintenant ils sont un peu en stase, mais le traitement des nains, Bane, les Tauren, etc. Il y a quand même des choses très très bonnes, les trolls aussi avec Vol'jin, le traitement de Vol'jin qui a commencé à Kata, mais surtout Mop qui va étendre les choses, les Andalari, alors même si c'est très maltraité par Cataclysme, ça va clairement mettre les graines pour le traitement des Andalari qui sera très bon à Mr. Pandaria, puis à Battle for Azeroth, ça c'est Cataclysme qui aussi est responsable des bonnes choses. Donc oui, Cataclysme, et était l'extension nécessaire pour la suite de World of Warcraft. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est une mauvaise extension, mais c'est aussi pour ça qu'on peut pas dire que c'est une bonne extension. C'est l'extension la plus moyenne au final d'un point de vue lore de World of Warcraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo qui arrive, le gros morceau qui arrive concernant les extensions de World of Warcraft et l'histoire des extensions de World of Warcraft, hein, parce que même si beaucoup se disent que c'est la critique de l'extension, non, je vous ai conté l'histoire. En tout cas, les grands morceaux, on pouvait pas le faire, sinon ça fait plus de 5 heures, Cataclysme. Mais on vous a donné les grandes lignes de l'histoire de Cataclysme. Arrive Mist of Pandaria. Et Mist of Pandaria, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Plutôt en positif, mais il y aura beaucoup de choses à dire parce que c'est une extension qui a également plu et déplu aux joueurs. Et qui surtout, vous le savez, j'aime bien débunker les idées reçues. Mist of Pandaria se traîne, mais des monticules de boulets d'idées reçues qu'on s'évertuera à détruire dans la vidéo qui lui est consacrée. La prochaine vidéo également sera Terramor, la vidéo de transition en fait entre Cataclysme et Mist of Pandaria, et encore une fois toutes les vidéos annexes qui arrivent, hein, comme pour Wotelka, on aura donc la généalogie sur les orques, le traitement des Shendralar, Terramor, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus, n'hésitez pas à liker, suivre évidemment et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, que ce soit pour moi ou Evanessor. Evanessor et moi d'ailleurs, plutôt dans l'ordre, ça nous soutient et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui pourraient dire du mal ou du bien de Cataclysme et peut-être qui apprendront des choses. En tout cas, j'espère que ça a été le cas. Voilà, plein de bisous et à bientôt.